Bien, bonjour, je suis Christian Rousseau, donc agriculteur à Montgenod, Sud-Ouest Marnais, qualifié comme ça. Le Sud-Ouest Marnais, c'est une région assez particulière parce que, vous le verrez, on est entre l'Abri, qui est à 500 mètres d'ici, la côte d'Île-de-France où il y a les vignes, le vignoble de Champagne, on est dans le bout de l'appellation Champagne, ce qu'on appelle les coteaux du Saisonnais. Et puis au sud, en dessous, on est sur la Champagne, mais qui n'est pas une Champagne crayeuse, qui est une Champagne dite améliorée, mais qui n'a rien amélioré du tout, parce que nos sous-sols ne sont pas de la craie, c'est de la craie remaniée. C'est ce qu'on appelle des tufs, donc qui sont assez pauvres en réserve hydrique, et avec des vallées, des vallonnées, c'est-à-dire des montées et des descentes, des pierres. Et ça s'apparente un petit peu à la région de Nogentais. Et Nogentais, ce sont des terres colorées, mais nous on a de tout, on a du coloré, du blanc, du très blanc. Des affleurements de terre blanche de craie, et je vous expliquerai pourquoi, effectivement, je suis passé en ACS, un peu à cause de ça. Donc, ici, on est sur une exploitation qui a beaucoup évolué, puisque je me suis installé en 79, après avoir fait un parcours assez particulier, puisque j'ai toujours voulu être paysan, mes parents étaient agriculteurs. J'ai failli quitter l'école à 14 ans, comme mes parents à l'époque. Et puis, comme j'apprenais plutôt bien, l'institutrice a insisté auprès de mes parents pour que je fasse des études. Et donc, on l'a écouté. Puis donc, c'est comme ça que je suis devenu ingénieur agronome. Donc, je suis agro de la promotion 70. Et suite à mes études, donc, je suis parti travailler dans l'alimentation animale, comme VRP, dans une zone centre-France qui était après la crise du soja, où il n'y avait plus aucun client qui achetait de l'aliment du bétail, tellement les prix avaient flambé. Bon, bref, je vous passe les détails. Et ça a duré 2 ans, cette aventure, et puis, comme j'avais l'objectif de reprendre l'exploitation familiale, et que, au fond, je ne savais pas grand-chose de l'agriculture, eh bien, j'ai répondu à une annonce, une offre d'emploi pour animer des CETA, dans l'Aube en particulier. Il y avait 4 ou 5 CETA dans l'Aube qui étaient animés par des techniciens de chambre d'agriculture. Ces CETA ont décidé de se restructurer et donc de créer un groupe, un GR-CETA, dont j'ai eu la charge pour l'animation. Et là, je dois dire que ça m'a duré 3 ans. Je me suis éclaté parce que j'ai d'abord rencontré la crème des agriculteurs en matière technique et j'avais de très très bons agriculteurs. C'est eux qui m'ont appris le métier au fond, hein, puisque je les ai aidés. Faut l'avouer. Et en même temps, je me suis fait un réseau dans l'Aube. Et vous comprendrez pourquoi je suis devenu président de ma coop. C'est parce que un de mes adhérents était à l'époque président de ma coopérative. Il m'a appelé, quand je me suis installé en 79, il m'a appelé au conseil d'administration. Et de fil en aiguille, eh bien, je suis arrivé à la présidence en 95 pour le remplacer. Donc, je reviens sur mon parcours agricole, qui est le plus intéressant. Installation en 79 sur une exploitation qui venait de mes parents de 120 hectares, sur laquelle il n'y avait pas de vigne à l'époque. Par contre, mon épouse, elle avait 1 hectare de vigne à Champagne, puisqu'ici on est mixte, hein, on est producteur à grande culture et producteur de raisins de Champagne. Et donc, pendant un certain nombre d'années, j'ai travaillé seul et sur 120 hectares, ce qui était logique. Avec mes difficultés, donc travail classique, labour, travail du sol, ramassage des cailloux, parce que chaque fois qu'on passait la charrue, ben, on remontait des pierres. Et avec mon père qui travaillait encore, on a ramassé des tonnes et des tonnes de cailloux. Et puis, en 94, m'est venue l'idée, alors juste avant de prendre la présidence de la coopérative d'ailleurs, c'est tout à fait un hasard, m'est venue l'idée d'organiser un remembrement dans la commune, parce que la commune avait été remembrée en 1960, comme beaucoup de communes, et donc on avait un parcellaire qui était pas terrible. Donc j'ai convaincu un certain nombre d'agriculteurs voisins d'organiser un remembrement. Alors les remembrements, ça a cette particularité que avant de faire l'échange des terres, on les évalue en termes de qualité, puisque c'est bien connu que chacun a les meilleures terres. Hein, et qu'on ne veut pas forcément les donner aux voisins parce que bon. Donc on évalue la qualité de ces terres en faisant des carottages et on fait quelques analyses de sol, mais surtout on évalue l'épaisseur de sol. Et on attribue à chaque hectare, si on peut dire, ou chaque parcelle, on lui attribue un coefficient. C'est-à-dire que si la parcelle correspond au niveau moyen des parcelles, on lui attribue un coefficient 1.
Si c'est une parcelle un peu dégradée, on va lui mettre 0,8. Et puis si c'est une excellente parcelle, on va lui mettre 1,2. Et donc, quand vous échangez une parcelle qui vaut 1 avec une parcelle qui vaut 1,2, eh bien, vous êtes en surface dans un rapport de 1 à 1,2. C'est aussi simple que ça. C'est mécanique. Et alors, quand on a fait ces prélèvements, il y avait trois cas de figure. Moi, j'avais beaucoup de parcelles devant la ferme qui étaient des buttes de craie. Je me suis aperçu en faisant les carottages que sur mes buttes de craie, en fait, il n'y avait pas de terre. Et quand on laboure et quand on est sur le tracteur, on pense qu'il y a de la terre parce que la charrue retourne quelque chose. Et je voyais bien que sur ces buttes de craie, ces affleurements, ça gelait systématiquement, les cultures d'hiver gelaient, quand on mettait un herbicide, le blé crevait. Donc il n'y avait plus d'activité biologique, au fond, il n'y avait plus de terre. Et cette terre, au fond, elle était descendue vers le bas. Et vers le bas, on avait effectivement des prélèvements où il y avait 30 cm de terre. Donc ça, c'est déjà, ça m'a interrogé. Ensuite, on est allé au hasard de nos prises d'échantillons, dans un jardin qui est en plein milieu de la plaine de terre blanche, dans un jardin d'un petit particulier, qui ne voulait surtout pas laisser son terrain, mais on a quand même fait un prélèvement. Et là, on s'est rendu compte que sa terre, elle était colorée, elle était brune. On s'est dit, mais pourquoi au milieu des champs de terre blanche, lui, il est coloré? Et puis on s'est dit, ben oui, il travaille avec son motoculteur, etc., alors que nous, on travaille avec la charrue. Et puis on a traversé des parcelles où les terres étaient blanches comme mon papier, parce que le gars, il a bourré à 30 cm. Et donc, il remontait de la craie. Et puis, il y avait le problème des chemins. Parce que comment est-ce qu'on classe un chemin qui a toujours été une partie roulante où on a tassé, il y a du chien dedans et tout le bazar? Donc, évidemment, naturellement, on s'est dit, les chemins, ça vaut la moitié d'une terre cultivée. Donc, on met 0,50. Ça, c'est en 94. On reprend les terres. Donc, moi, je me suis fait des grandes parcelles de 900 mètres de long. Et là, première année, moi j'ai une particularité, je cultive du chanvre. Je mets du chanvre dans ma parcelle. Et alors là, c'est extraordinaire parce que le chanvre, c'est un excellent témoin de qualité des sols. On dit que le chanvre, c'est une culture de terre pauvre. C'est vrai, mais quand on le met sur une terre riche, ça pousse beaucoup mieux. Et là, on a vu les écarts de hauteur du chanvre entre les parcelles que je cultivais avant, la parcelle reprise à un voisin qui labourait à 30 cm, le chemin. En fait, vous savez où le chanvre était le plus beau? C'était dans le chemin. Et là, je me suis dit, deuxième interrogation, pourquoi est-ce que le chanvre est plus beau dans le chemin alors qu'on a déclassé le chemin? Ben, tout simplement, c'était la couleur de la terre et la structure du sol. Parce que ce chemin, il n'avait jamais été bousculé par un outil. On avait fait crever le chien dedans avec du glyphosate. Et puis, on a travaillé, parce que j'ai commencé à travailler en 94-95 en simplifié, donc en ne travaillant plus trop profond. Et là, effectivement, on a constaté que sur la terre colorée, le champ poussait beaucoup mieux, et que cette terre colorée, elle était au milieu des terres blanches. Donc, prise de conscience de l'érosion, prise de conscience de l'activité biologique. On ne savait pas encore à cette époque-là que c'était l'activité biologique, que c'était les vers de terre qui avaient fait les perforations où passaient les racines. Donc là, ça m'a beaucoup interrogé. Et puis, en même temps, l'année suivante, je prends la présidence de la coopérative. Alors, quand vous êtes président d'une coopérative de taille relativement importante, vous passez 4 à 5 jours par semaine à la coop. Et là, vous n'êtes plus sur l'exploitation. Et je n'avais pas de salarié. Donc, je prends un salarié à temps partiel dans un premier temps. Et puis, jusqu'alors, donc avant qu'on arrête le labour, quand on semait du blé, c'est la période en ce moment, eh bien, on travaillait à 3 personnes. J'avais encore mon beau-père qui travaillait. Donc, lui labourait. Mon salarié étant partiel, passait un outil à scrosquer et ramasser les pierres avec une griffe dans le tracteur. Et puis moi, je semais avec mon combiné rotatif semoir. Ça allait très très bien, on faisait 10-12 hectares par jour, on était content. Du jour où j'ai pris la présidence de la coopérative, il fallait changer le système. En plus, mon beau-père prenait sa retraite. Donc j'ai dit à mon salarié, ben, j'ai dit, écoute, maintenant c'est toi qui vas semer, mais tu vas semer tout seul. Donc comment on fait? Et donc là, je me suis interrogé sur les matériels existants. À l'époque, il y avait deux outils qui me tentaient bien en termes de semoir. C'était le Sulky Unidrill, hein, qui était déjà une vieille machine, mais que Sulky avait amélioré. Et puis, il y avait le Gaspardo, direct, qui est devenu le Directa aujourd'hui. J'ai longtemps hésité, j'ai acheté un Unidrill. Bon. La première année, on s'est planté parce que comme on avait beaucoup travaillé le sol,
Parce que le réflexe du laboureur, c'est de continuer de travailler le sol, évidemment. On arrête de labourer, mais on perturbe le sol avec des outils à dents, des outils à disques, et on fait beaucoup de terre fine. Parce que on ne veut plus voir les résidus en surface. Parce que les résidus en surface, c'est un frein à la plantation. Donc, première année, le nidril arrive, et le semoir, bah, impossible d'avoir de motricité sur le disque, ça va être trop de terre fine. Donc, pour avoir de la motricité sur le disque, bah, on a enterré la graine. Et la graine était trop enterrée, 5 cm, donc mauvaise levée, mauvais étalage, etc. Donc on a fait une première année un peu difficile. La deuxième année, on a compris tout ça. Donc on a arrêté de travailler profond et on a plutôt tassé avec des rouleaux, des cross-kills. Et ça s'est très bien passé et j'ai fait une année record en matière de rendement de blé. Et là, j'ai compris que c'est comment il fallait travailler. Et puis d'année en année, donc on a allégé le travail du sol parce qu'on s'est rendu compte que le travail servait à rien au fond et que avoir des résidus en surface, c'était plutôt protecteur par rapport à la battance, que nous on a de la battance quand même. Parce que j'ai dit que l'abri était juste à côté. Là, l'abri, c'est des limons profonds, relativement hydromorphes, c'est-à-dire qu'ils sont humides, certaines parcelles sont drainées. Et dans ces parcelles-là, on a de la battance. C'est-à-dire qu'à force d'avoir labouré, on a beaucoup de terre fine. Et donc, dès qu'on prépare un peu le sol et qu'il pleut, c'est comme la table. C'est dur, rien qui lève. Et donc, on a compris qu'il fallait aussi garder la paille en surface, les résidus en surface, pour protéger ce sol de la battance et donc de l'effet de la pluie. Donc, on a appris en marchant, comment dire. Et donc à l'époque on ne parlait pas de couvert, évidemment. On ne parlait pas de couvert et on a commencé à faire des couverts qui étaient bon, de la moutarde avec de l'avoine, des choses comme ça, qu'on se met à la volée, qu'on enterrait plus ou moins avec les déchaumages. Il n'y avait pas la directive nitrate à cette époque-là encore, et donc on faisait un peu ce qu'on voulait. Et donc de fil en aiguille, on a appris aussi à couvrir les sols un petit peu, et puis il s'est trouvé que. Alors j'ai changé de semoir entre-temps, mais peu importe, c'est pas le semoir qui fait la technique, c'est l'homme. Mais j'avais pas vraiment un semoir de semis direct en fait, j'avais des semoirs plutôt de TCS. Et puis à un moment donné, chez mon concessionnaire, nous on est tout équipé John Deere, chez mon concessionnaire John Deere, je vois un semoir, un 750A de John Deere, 4 mètres, qui était quasi neuf, il avait fait des démonstrations, et il était à vendre. Personne n'en voulait, parce que. Un semoir direct, vous pensez bien à cette époque-là, dans les années, c'était en 2000 ça, dans les années 2000, un semoir direct, qu'est-ce qu'on va foutre de ça, quoi. Donc moi je l'ai acheté. Et j'ai fait une très très bonne affaire parce que je l'ai acheté pas cher. Et puis avec le semoir direct, on a commencé à travailler en direct. Par exemple, on semait des blés de colza sans aucun travail du sol. Et mes voisins venaient me voir en disant, mais t'es fou, ça va jamais pousser. Ben, j'y verrai bien. J'avoue que c'est une période où j'ai pas forcément très bien dormi entre les problèmes de la coopérative et puis l'implantation du semis direct. Je peux vous dire que ça a été un peu compliqué. Et donc là encore, d'année en année, on a appris à utiliser ce semoir et puis ça s'est passé de mieux en mieux. À tel point qu'à un moment donné, ici, enfin, j'observais un peu mes voisins qui jamais ne m'ont posé une question. Jamais. En fait, ils posaient des questions aux techniciens de la coop. Il disait, Rousseau, comment il fait? S'il y en a un jour qui est venu me voir, et qui a des terres aussi en brie, et qui m'a dit, comment ça se fait que toi, tu n'as jamais d'eau dans tes champs, et pourtant tu ne laboures pas? Alors j'ai dit, ah ben mon gars, c'est justement parce que je ne laboure pas que j'ai pas d'eau dans mes champs. Alors là, le gars, il dit, mais non, c'est pas possible. Il dit, oui, parce que quand tu. Donc j'ai expliqué la battance, tout bazar. J'ai dit, t'as fait une croûte, et ton eau, elle ne circule pas. Un détail, c'est que dans mes terres hydromorphes pas drainées, j'avais des mouillères, je n'ai plus de mouillères. Et ça, c'est surprenant. Hein? C'est surprenant. Et c'est dans les sols, finalement, où on pensait que le semis direct allait être le plus difficile, c'est là où ça se passe le mieux. C'est pas dans les terres blanches de champagne, c'est dans les limons de Brie. Et quand je vois sur les réseaux sociaux, parce que je suis beaucoup sur Twitter, hein, avec des agriculteurs, des gens qui disent, ouais, mais attends, ta technique, ça marche pas partout. Ben, je dis, si, ça marche partout. Alors, sauf pour les gens qui font des pommes de terre. Plus compliqué. Mais pour les gens qui font l'agriculture céréalière, alors là, bon, bref. Donc, le semoir, on a appris avec ce semoir John Deere, et donc on est en 80, attends, en 2000, j'ai dit, on a acheté le semoir. Entre-temps, on avait repris une ferme à façon d'une cousine dont le mari était décédé et qui est à 9 km d'ici. Parce que finalement, on s'aperçoit, en ne travaillant plus le sol ou plus beaucoup, qu'on a du matériel qui ne sert plus à grand-chose. Et qu'on a du temps libre.
et que donc on peut augmenter les surfaces travaillées avec le même matériel. Donc on a rompu cette ferme avec le matériel qui allait avec, on a changé le matériel pour faire des choses, on a fait de la copropriété dans un premier temps. 2002, je me retrouve également avec un nouveau salarié qui est toujours ici. Parce que comme j'étais sur la COP pas mal impliqué, et ma COP avait beaucoup de problèmes à l'époque avec Laval, donc il fallait que je sois très très présent sur la coopérative et le salarié que j'avais n'était pas suffisamment autonome, on va dire ça comme ça. Moi, il fallait que je parte l'esprit tranquille, c'est-à-dire que quand je partais le matin, il fallait pas qu'on vienne m'enquiquiner au téléphone pour dire « le tracteur est cassé hein. ». C'était « démerde-toi ». Quoi. Donc j'ai eu l'opportunité de recruter un nouveau salarié qui lui a plutôt une autonomie et plutôt un profil chef de culture. Et à partir de là, lui il avait également une ferme qui vient de sa femme, qui est dans le périmètre. Là. Et du jour au lendemain, il m'a dit si vous voulez, la ferme on la met avec le groupe. Et donc avec sa ferme à l'époque, on cultivait 500 hectares, grosso modo, 450 hectares dans ces eaux-là. Voilà, ça nous a emmené jusqu'à les années 2007-2008. Et puis, en 2007, on nous prend l'idée de changer la moissonneuse batteuse. Et il y avait une nouvelle machine qui était sortie chez John Deere, qui était la 4880, qui était la machine à rotor américaine, que j'avais vu travailler chez un voisin. Et puis le voisin, c'était pas un voisin, il est assez éloigné, mais c'était un adhérent de coopérative. Il vendait cette machine. Donc on l'a achetée d'occasion. Mais elle était un peu trop grosse pour nous. Donc on s'est dit, finalement, c'est un mauvais raisonnement, je vous donne. Mais c'est le raisonnement de beaucoup d'agriculteurs, malheureusement. Parce que moi, je vous cache pas que j'ai été longtemps un adepte de la ferraille. J'ai bricolé des matériels devant, c'est moi qui ai les premiers outils avant, etc. J'avais des combinaisons. Quand je vois Vincent Guyot aujourd'hui sur Twitter, qui n'arrête pas de bricoler ses trucs, je dis Vincent, arrête, un jour tu vas mettre tout derrière et tu te feras plus chier avec tes outils avant et tout le bazar. C'est ce que j'ai fait. Et donc la moissonneuse batteuse est un peu trop grosse pour nous. Je vais voir un cousin de ma femme, qui est dans le périmètre aussi, 9 km d'ici, qui lui est conseiller de gestion. Dans un sens de comptabilité, qui avait un salarié, 150 hectares, 160 hectares, et évidemment, son salarié lui a dit, écoute, je pense qu'à un moment donné, tu vas devoir te séparer de moi, parce qu'il n'y a pas assez de boulot pour un gars tout seul. Et donc, il a eu cette réflexion, il avait une vieille moissonneuse batteuse qui avait 23 ans, et donc du coup, je suis allé le voir, on s'est dit, oui, au fond, si on le groupe sur la moissonneuse batteuse, ça va déjà nous permettre d'avoir un coup de moisson moins cher. Et puis, alors, surprise, mon cousin, il labourait tout. Tout. Et surprise, il me dit, écoute, parce que comme il est conseiller de gestion, il avait bien vu chez des adhérents qui ne labouraient plus, que les comptes allaient mieux. Et donc il m'a dit, écoute, si la moisson se passe bien, je te propose qu'on fasse tout le reste ensemble. Et il savait que moi, je ne labourais plus depuis longtemps. Et donc ça voulait dire qu'il passait par la phase arrêt du labour. D'accord ? Et bien là, en 2008, on a donc décidé de tout mettre en commun. Donc on a créé une structure. De notre copropriété, on est sorti. On avait une CUMA aussi qui servait à mettre du matériel en commun, etc. On est sorti de tout ça et on a fait une SARL de prestations, de travaux. Donc on a mis tout le matériel qu'on voulait conserver dans la SARL. La main d'œuvre, elle est sortie de nos exploitations, on l'a mise dans la SARL. Et à partir de là, on a pu calculer nos vrais coûts fixes, nos vraies charges fixes de mécaniser son main d'œuvre. Parce que la particularité de nos exploitations, ça c'est un atout, c'est que moi, je travaillais à l'extérieur, donc j'avais une rémunération par ma COP à l'extérieur. Mon collègue, il avait une rémunération de par son travail extérieur. La cousine à qui on faisait l'affaire en prestation, elle travaillait dans l'enseignement, donc elle avait aussi une rémunération à l'extérieur. Et donc au fond, aucun ne travaillait physiquement sur sa ferme, sauf des coups de bourre, moisson, chanvre, etc. Mais aucun travaillait sur sa ferme. Donc c'était un bon moyen pour s'entendre, parce qu'on avait les mêmes finalités. Et il fallait que donc l'équipe de salariés se débrouille toute seule. Et nous, le principe, c'est qu'on se réunit tous les lundis matin. On fixe un peu les travaux de la semaine, et après, les salariés se débrouillent. Donc ils sont organisés... je pourrais vous en parler pendant
un quart d'heure, mais ça ne vaut pas forcément le coup, c'est que quand on fait des structures comme celle-là, le gros problème, c'est les hommes. C'est pas le matériel. Le matériel, ça change. C'est les hommes. Pourquoi c'est les hommes? Parce que quand vous prenez des gens qui travaillent dans une exploitation et vous dites, voilà, il y a deux exploitations, maintenant on les rassemble et vous allez travailler ensemble. Il y en a un qui a dit, bah attends, moi j'étais sur l'exploitation de mon patron, j'étais seul et j'étais chef. L'autre, il dit, bah moi aussi, je suis chef. Donc c'est qui le chef maintenant? Et nous, on les a laissés faire. Bon, j'avais fait une formation au C2R là-dessus d'ailleurs, intéressante. Et il fallait surtout pas intervenir. On les a laissés se débrouiller. On lui dit, bon, toi tu dis que tu es chef, bah, tiens, tu vas prendre la mousse batteuse. Il prend la mousse batte, et puis malheureusement, il est arrivé un problème, il a pété un pneu, je sais pas quoi, il n'arrivait pas à accrocher la coupe et tout. Et comme le garçon est pas bête, il s'est rendu compte assez rapidement qu'il ne pouvait pas être chef. Donc c'était l'autre qui prenait, et ça s'est fait naturellement. Et nous, on n'est jamais intervenu là-dedans. Et donc maintenant, on se réunit lundi matin, on donne un peu les directives, les grandes lignes, il faut faire ci, il faut faire ça cette semaine, et puis après ils se débrouillent. Il pleut, il ne pleut pas, il fait beau, ils décident d'arrêter le chantier, ils en repassent à un autre, etc. Et chacun vient prendre un petit peu ses directives auprès de celui qui, sans l'avoir jamais écrit sur son front, est devenu un peu responsable. Donc aujourd'hui, on a 3 salariés sur la structure. 2 sur les grandes cultures et 1 sur les vignes. Parce que nous, on a 4. Alors, la structure, je vais en parler maintenant, je vais fermer un peu cette parenthèse, on y reviendra après. On reviendra sur la CS après. Et donc là, il y avait 500 hectares avec seulement 2 structures, une troisième structure qui s'est rajoutée, donc la surface a augmenté. Non, c'était. On a aujourd'hui 500. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a eu plein de. Jusqu'à l'année dernière, on était à 580 hectares. On est monté à 770 parce qu'on faisait une ferme à prestation à côté d'ici. On l'a eu 5 ans, puis le propriétaire a pris ses terres, donc on l'a perdu. Tout ça, c'était avec la même structure. Jusqu'à l'année dernière, on avait 575 hectares, 580. Avec 2 salariés, culture et 1 salarié vigne. Et en vigne, on a, nous en propre, la SEA, elle a 4 hectares de vigne, et on fait en prestation 8 hectares. En prestation mécanique, hein. C'est-à-dire que le salarié fait la prestation mécanique sur les 8 hectares. Et nos salariés font donc tout le travail manuel sur les 4 hectares qui nous sont propres. Donc ça, c'était la situation jusqu'à l'année dernière. Et puis, donc moi j'ai un certain âge, donc on est en train de faire nos donations, c'est fait maintenant. J'ai 2 fils, on a 2 fils qui sont ingénieurs l'un. Qui travaille chez le groupe Avril à Paris, et l'autre qui est ingénieur au CEA à Toulouse. Et les deux ont décidé de reprendre l'exploitation, mais de la reprendre à distance. Alors ça, c'est vraiment compliqué. Et ça justifie effectivement que notre salarié de tête soit vraiment le chef de culture, puisque moi je vais quitter la scène sur la pointe des pieds, j'ai encore 2 ans à faire pour des raisons fiscales. Donc il va falloir trouver une organisation. Et puis, comme je suis quelqu'un qui est plutôt innovant et comment dire, toujours à la recherche de solutions pour l'agriculture, après avoir beaucoup travaillé sur l'ACS, que j'ai promu dans la coopérative et j'y reviendrai, je suis intimement convaincu aujourd'hui que l'agriculture devra vivre aussi de chiffres d'affaires autres que la vente de céréales ou de grandes cultures. Et en particulier, elle devra trouver du chiffre d'affaires sur la multifonctionnalité. Et parmi les solutions de multifonctionnalité, il y a évidemment le carbone, dont on parlera, qui doit être rémunéré aux agriculteurs. Mais il y a aussi le fait, parce que j'ai beaucoup bossé moi dans les biocarburants quand j'étais président de coopérative, j'ai été administrateur de Diester Industries, qui est devenu CEPOL, et j'ai toujours cru aux biocarburants, et naturellement, j'ai été aussi président de structure dans l'éthanol. Et j'ai toujours pensé que l'agriculture devait, qui était un gros pourvoyeur de carbone renouvelable, devait valoriser ce carbone en 3 fractions, on va dire ça comme ça. Une première fraction qui est naturellement les sucres alimentaires, les amidons, hein, saccharose pour la betterave, qui est la principale fraction. Une deuxième fraction qui est celle qui va rester au sol, via les racines, les résidus, donc c'est l'humus en définitive. Et une troisième fraction sur laquelle on va devoir travailler, qui est
tout ce qui peut remplacer le pétrole. C'est tout le carbone qui peut remplacer du pétrole, c'est-à-dire c'est les biocarburants, c'est la chimie verte, c'est les cosmétiques, c'est tout ce que vous voulez. En plus c'est du végétal, donc aujourd'hui c'est à la mode. Mais donc je me suis dit que l'agriculture devait participer à la lutte contre le changement climatique à travers sa production de carbone renouvelable qui remplacerait les molécules de carbone issues de fossiles. Et donc, j'ai vendu à mes enfants l'idée de partir dans la méthanisation. Donc nous avons un projet de méthanisation qui mûrit depuis 2 ans et qui devrait faire les premiers coups de pioche à la fin de cette année-là, avec un nouveau partenaire, un nouvel agriculteur qui est aussi dans le périmètre, qui a l'âge de mes fils. Et donc on a décidé d'intégrer sa ferme dans la société de prestation, la SARL, qui s'appelle MJ2R. Donc aujourd'hui, on cultive 800 hectares. On cultive 800 hectares, toujours avec nos 3 salariés. Donc on va devoir certainement embaucher, mais on va attendre que la méthanisation voit le jour pour trouver un poste mixte, en dehors du conducteur de la méthanisation, un poste mixte entre les cultures et la méthanisation. Donc on est parti dans ce projet de méthanisation, ce qui a amené effectivement à grandir encore l'activité de la société de prestation MJ2R. Ce qui nous permet de réduire nos coûts évidemment. Alors, je vais m'arrêter un instant là-dessus et venir un peu sur la partie économique et sur la partie sociologique. Sur la partie économique, c'est mathématique. Quand on a fait notre structure MJ2R en 2008 avec mon cousin, on a gagné 100 euros de l'hectare de coûts de mécanisation main-d'œuvre, parce que évidemment le diviseur c'était le nombre d'hectares, et plus il y a d'hectares, si on n'augmente pas trop les coûts de mécanisation et de main-d'œuvre, plus il y a d'hectares et plus on diminue le coût à l'hectare. Et donc ça a été cash tout de suite, 100 euros de l'hectare. On les a un peu reperdus derrière parce que on a racheté du matériel, parce que bon voilà, puis il y a eu l'érosion des coûts hein, naturellement. Ensuite, sur un plan social, moi je suis passé par une phase, je l'ai dit au début de cette intervention, je suis passé par une phase où je travaillais seul. J'étais jeune, j'étais invincible, quand on est jeune on travaille jour et nuit, c'est pas un problème. Et puis à 36 ans, j'ai été arrêté pendant 3 mois à cause d'une hernie discale, qui était lié au fait que je ramassais beaucoup de cailloux et que je faisais des ordres tracteurs incommensurables. Et à l'époque, le tracteur n'avait pas le confort de ceux d'aujourd'hui. Et là, je me suis rendu compte que j'étais vulnérable. Et que quand on travaille seul, effectivement, on a le risque de perdre la santé, même quand on est jeune. Et ça, je le dis toujours dans les formations. Moi, je vois des jeunes qui bossent comme des dératés. Je dis attention les gars, parce que le jour où la machine s'arrête, ça fait mal. Et donc, à travers la croissance un petit peu de notre structure où l'agriculture de groupe on a mis en place, je me suis sécurisé parce que comme j'étais pris par mon activité de président de COP, je savais que le boulot serait fait quand on était à plusieurs, le travail serait fait de toute façon, donc ça permet effectivement de se sécuriser sur ce plan-là. En même temps, un autre aspect qui est extrêmement intéressant, j'ai dit aucun de nous ne travaillons physiquement sur la ferme. L'autre aspect, c'est qu'on s'attribue des rôles pour lesquels on a plus d'affinités. Moi, mon truc, c'est les machines agricoles, c'est l'agronomie, parce que je suis agronome de formation, c'est l'agronomie. J'ai horreur de faire des fiches de paye, j'ai horreur de la comptabilité, enfin j'ai horreur, ça m'emmerde, voilà, c'est pour mon truc. Et puis, mon cousin, lui, il est conseiller de gestion. Lui, donc, plus son truc, c'est pas la machine, c'est les comptes. Il calcule les coûts, les machins, les trucs, il fait les fiches de paye, il fait toute la partie juridique, administrative de nos structures. Donc chacun a trouvé sa place et finalement on fait ce qui nous plaît dans cette organisation. Donc sur un plan holistique, j'ai trouvé que cette association, au fond, avait beaucoup de sens. Et on s'est souvent posé la question d'ailleurs de se dire, mais notre truc ça marche, si on veut baisser encore nos coûts de production, il faut agrandir notre structure. On dit oui, mais on va aller chercher qui dans le périmètre, parce qu'il ne faut pas chercher les gens à 30 km. On va chercher qui? Ah ben oui, mais il y a lui, mais lui, il va venir physiquement travailler.
Donc ça va poser des problèmes parce qu'il va vouloir être chef par rapport à nos salariés. Et donc on n'a jamais trouvé de solution. Et il a fallu attendre donc ce projet de méthanisation pour trouver un jeune qui lui a une idée à la seconde et qui, au-delà de la méthanisation, veut faire autre chose que de l'agriculture. Et donc notre structure lui convenait bien. Parce qu'au fond, il s'est dit, ben moi, si je fais moins d'heures de tracteur et puis que c'est les salariés qui le font à ma place, ça me va bien, puisque moi je vais gagner ma croûte ailleurs. Et donc ça fait partie de notre raisonnement. Alors c'est évident, ce que je dis là n'est applicable à personne d'autre, hein, ou très rarement. Donc c'est un cas d'école. Et pour revenir à mes enfants, qui ont une activité principale extérieure, ben, s'ils continuent d'avoir cette activité principale extérieure, ils vont se retrouver dans le même cas de figure. Eux, ils ont besoin que sur la ferme, il y ait quelqu'un qui fasse le boulot à leur place. Alors ils accepteront effectivement que le travail salarié coûte de l'argent et que le résultat de la ferme va se trouver forcément diminué, mais comme ils ont un salaire extérieur, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, quand j'étais président de COP, j'expliquais toujours à des agriculteurs qui avaient trouvé génial de faire leur ferme par des prestataires extérieurs, je leur ai dit oui, mais ne vous inquiétez pas, le prestataire extérieur, il facture sa main-d'œuvre. Donc si vous n'avez pas d'activité pour compenser la facture, ça ne va pas durer longtemps. Et effectivement, on a vu que ça ne durait pas longtemps. Bon voilà, donc il faut avoir ça en tête. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là dans un premier temps. Voilà, je ne sais pas quelle heure il est. Ouais. Ça vous va, je suis bavard. Hein. Très synthétique, c'est très bien. Ouais. Non, c'est nickel. C'est vrai que je gère les maisons ou pas? Ouais, en fait, tu gères pas les œufs, tu gères là. Ouais. Peut-être tu peux monter, descendre, là, ça va comme c'est divers. On était un gros meunier. Et la meunerie, dans les années 95 à 98, a perdu une grosse partie de ses clients à l'exportation, parce que la meunerie française, c'était de l'exportation. On poussait de la farine à l'export. Et à un moment donné, alors nos principaux clients, qui étaient le Maghreb, ils ont décidé de faire leur farine eux-mêmes en achetant des moulins. Et donc, pratiquement en 2 ans de temps, l'export farine a fondu comme neige au soleil, et on s'est retrouvé donc en surcapacité de production. Et j'ai dû restructurer dans ma coopérative la partie aval, où il y avait 5 moulins. Et sur 5 moulins, elle a fermé 4. C'était dramatique. Donc vous imaginez la suite. Bon, puis après ça, il y a eu d'autres problèmes sur lesquels je n'ai pas à intervenir. Mais donc ma coop m'a beaucoup pris. Et dans le même temps, j'étais dans cette phase de maturation de mon système qu'on n'appelait pas à l'époque agriculture conservation des sols, mais qui était non-labour, semi-direct, etc. Et j'ai toujours eu en tête, alors moi j'étais convaincu que cette technique-là était une technique d'avenir. Mais vous imaginez un président de coopérative qui tient ce discours en assemblée générale, devant 200 adhérents, et qui dit, les gars, il faut arrêter de labourer, à des gars qui, en Champagne, sont capables de labourer 4 mètres de large avec 150 chevaux, ces gars-là vous disent, mais attends, toi, qu'est-ce que tu nous racontes comme conneries, là? Ça, c'est valable chez toi, mais nous, laisse-nous tranquille, nous, on laboure, parce que tu comprends, voilà. Donc, pendant des années, nombre de personnes, si j'ai eu des tomates devant eux, ils me les ont renvoyées à la figure. Mais j'ai tenu bon. Et puis, un certain nombre d'agriculteurs qui pensaient comme moi, parce qu'il y en avait aussi qui pensaient comme moi, sont venus me voir en me disant, mais finalement, dans la COP, faut qu'on fasse un groupe d'agriculteurs qui ne labourent plus, et puis on en a marre, nous, des techniciens qui nous racontent toujours la même chose, et machin, et truc. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, je me suis interrogé, j'ai interrogé le conseil d'administration sur cette question-là, j'ai un certain nombre d'administrateurs qui me suivaient également dans la démarche. Et on s'est dit, tiens, on va créer un club. Et le club, on l'a appelé, à l'époque c'était la COP Nourricia, on l'a appelé Nourricia Agrosol. Nourricia Agrosol. Le nom était sympathique. Et alors, il y avait à l'époque dans ce club 100 agriculteurs. Et on a décidé en même temps de mener une démarche avec un ou deux agronomes de la COP qui étaient également, qui avaient cette sensibilité non-labour, mais qui voyaient bien que les sols évoluaient sur l'influence du non-labour. On a commencé à travailler sur une valorisation de nos produits, ou du moins une valorisation par la coopérative. Évidemment, il n'y a aucun marché qui rémunérait des produits issus d'ACS. Et donc la COP artificiellement a fait un boni à la tonne de blé pour dire, bah, les agriculteurs qui sont dans le club Agrosol, on va les rémunérer d'une manière ou d'une autre. C'est marrant parce qu'un jour, j'ai quelqu'un pour moi d'ici qui me dit, alors je ne sais plus, c'était
je ne sais plus combien on donnait à l'époque, ça devait être 10 euros de la tonne de blé. Un agriculteur, il vient me voir, il dit, tiens, je suis rentré dans ton club à 10 euros de la tonne. Ah, j'ai dit, mon gars, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas un club à 10 euros de la tonne. C'est un club de réflexion. C'est pas un think tank, parce que nous, on ne fait pas que de réfléchir, on agit. C'est un club qui agit sur l'agriculture et la conservation des sols, dont la conséquence, effectivement, est que la COP mène un peu plus d'argent. Mais c'est marrant, vous voyez, là, tout de suite, les gens adhèrent à la carotte, pas forcément à la technique. Et donc notre club, il a beaucoup bossé sur ces techniques nouvelles de conservation des sols. On est devenu un peu célèbre, hein, puisque Frédéric Thomas en a parlé dans la revue TCS, et puis bien d'autres également. Donc c'est comme ça qu'on a pris, on a créé un peu des réseaux avec tout ce qui se faisait à l'époque en matière de conservation des sols. Qu'on s'est beaucoup attaqué aux couverts végétaux. Hein, et nos techniciens de la COP qui travaillent sur le groupe ont beaucoup bossé sur les couverts végétaux. Et puis après, ben, on a fait par fusion la COP Vivesia en fusionnant ma coopérative Nourricia avec Champagne Céréales. Et là, évidemment, moi, je suis arrivé dans la COP Vivesia en disant, on va appliquer chez Vivesia ce qu'on fait chez Nourricia. Alors là, ça n'a pas été la même histoire, parce que chez Champagne Céréales, c'est une COP royaliste. Nous, on était une COP plutôt issue de la gauche autrefois, donc les radicaux, et même si ça n'a aucune couleur politique, mais c'est pour le mariage des cultures est compliqué. Et chez Champagne Céréales, on était convaincus, alors tout Champagne Céréales était beaucoup en Champagne, convaincus que les techniques de conservation des sols, c'était marchait pas. Voilà. Et donc il fallait continuer, donc le rouleau compresseur, machin. Et donc nous, on s'est bagarré, les anciens de Nourricia, pour faire en sorte qu'on continue de proposer des solutions en agriconservation. Donc ils ont accepté que la COP a accepté qu'on maintienne le club agrosol. Et puis le club agrosol, il restait à 100, 150 agriculteurs, ça patinait, etc. Et avec quelques autres agriculteurs, on s'est dit, mais il faut qu'on aille chercher un technicien qui soit vraiment. Qui ait cette fibre-là. Quoi. Et quand on regardait bien à l'époque, quels étaient les techniciens, les agronomes qui avaient cette fibre, allez, on les compte sur les doigts de la main. Donc moi j'en avais visé un qui s'appelait Jean-Luc Forler. Et donc je suis allé voir Jean-Luc. Et puis on ne se connaissait pas du tout. Mais je le connaissais moi par ce qu'il faisait, ses interventions, etc. Par des agriculteurs qui vantaient ses mérites également. Et je suis allé le voir et puis j'ai dit, ben voilà monsieur Forler, on a besoin de quelqu'un comme vous. J'ai été aidé par un agriculteur qui a une ferme également en Moselle et une ferme en Champagne et qu'il connaissait bien. Et à un moment donné, quand on lui a présenté le truc, l'agriculteur lui a dit, alors Jean-Luc, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu viens chez nous ou pas? Et là, c'était, il tombait des nues parce qu'on ne lui avait pas encore proposé. Bon, ben, il est venu chez nous. Et il a continué de travailler autour du club. Aujourd'hui, le club Agrosol, il s'appelle Vivesia Agrosol, maintenant le club. Il y a 400 membres. Et à notre grande stupéfaction, Jean-Luc comme moi, les nouveaux membres, ils sont issus de Champagne Crayeuse et de l'Aisne, des Axonais, qui ont un mètre de limon sous les pieds, avec des potentiels de rendement très importants. Donc on s'est dit, mais nous on pensait que l'agriculture-conservation séduisait plus les gens dont les sols avaient des potentiels limités pour diminuer leurs charges. Et au fond, là, on récupère des gens dont le potentiel de production est énorme, enfin important, et qui viennent chez nous. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ces gens-là ont réfléchi que leur système labour les emmenait dans le mur. Et que s'ils n'évoluaient pas, et qu'ils là, ils avaient la chance d'avoir dans la coopérative des gens qui étaient capables de les accompagner, s'ils n'évoluaient pas, ils allaient se retrouver face à des difficultés. Difficultés qui sont quoi? Érosion, ils en prennent conscience aujourd'hui. Même en Champagne où c'est tout plat. Moi j'ai fait des photos, j'ai vu des lacs d'eau en Champagne. Un orage au mois de septembre quand les colzas sont semés, il n'y a plus de colza. Hein. Bon, le champ est plat mais ça coule quand même. Donc l'érosion, couleur des terres, terre blanche, ça ne se réchauffe pas. Donc il faut réchauffer ces terres. Structure du sol, battance, la terre blanche c'est comme l'abri. Ça bat sous l'influence d'une pluie. Et donc là les betteraves ça ne lève pas. Les colzas, ça ne lève pas. Et puis, en dehors de l'érosion et puis de ces aspects de battance, les gens ont pris conscience que les sols,
devaient être des milieux vivants. Voilà. Et à partir de là, donc, ils ont compris l'intérêt de l'agriculture conservation des sols, et c'est pour ça qu'ils sont en groupe. Et ce n'est pas les moins actifs. Hein. Donc voilà l'évolution qu'a connue ma coopérative. En tant que président, j'ai fait 4 fusions dans ma vie de président, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc la promotion de la conservation des sols a été pour moi quelque chose de très moteur, de très motivant, à tel point qu'aujourd'hui, je vous dis, Vivesia va sortir un contrat de production de blé, un contrat filière, hein, parce que nous on est dans les filières. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Luc, ce qui lui a plu pour venir, ce qui l'a motivé à venir chez Vivesia, c'est que chez Vivesia, il allait pouvoir mettre à exécution, je vais dire économique, commerciale, le savoir-faire qu'il a sur les sols. Et on va transformer ce savoir-faire sol en savoir-faire économique. Donc du revenu supplémentaire pour les agriculteurs. Ça, c'est génial. Et c'est absolument ce qu'il faut faire. Voilà, donc je ferme la parenthèse sur la coopérative. Donc moi j'ai quitté mes mandats en 2016, fin 2016, et aujourd'hui je me consacre évidemment plus à l'exploitation, à son évolution, quelle exploitation je vais laisser à mes enfants, quel système de culture qui a évolué évidemment, mais pas suffisamment à mon goût parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Et avec donc une équipe de salariés qui est en même temps a évolué avec nous, avec maintenant le projet de méthanisation qui va encore nous faire changer de braquet, parce qu'en termes de, système de culture, on va passer à des systèmes avec 6 et 3 cultures en 2 ans, dans des sols qui ne sont pas forcément aptes à avoir 3 cultures en 2 ans, parce qu'ici il fait très sec l'été, et on vient de passer 2 années catastrophiques en matière de pluviométrie l'été. Parce qu'on a même du mal à faire lever les couverts. Donc voilà, c'est une nouvelle phase aujourd'hui qu'on entame. Et pour les quelques années qui me restent encore à conduire cette exploitation avec mes enfants, avant de céder la main, eh bien, j'ai expliqué, maintenant je vais vous expliquer mon parcours agronomique sur l'exploitation. Donc comme je l'ai dit, 95 arrêt du labour, on a vendu la charrue, il fallait être gonflé parce que quand on voit la charrue, elle est chez un voisin, elle existe toujours. Et ce qui me stupéfait, c'est que j'ai été très culotté à l'époque. J'ai même été, j'ai pris des risques importants parce qu'il faut se rappeler qu'en 95, il n'y avait aucun environnement technique sur les techniques de conservation du sol. Aucun. Le seul que je connaissais, c'était Frédéric Thomas, Jean-Claude Quillet un peu, qui avait déjà commencé. Mais voilà, c'était très maigre, hein, on avait très très peu d'expérience. Aucun technicien ne vous suivait sur cette technique-là. Alors, j'ai oublié de dire, mais quand je me suis installé en 1979, comme j'étais animateur de CETA, j'ai créé mon propre CETA dans la région, qui a adhéré au GRCETA de l'Aube. Et le CETA, à l'époque, ne travaillait pas du tout sur les techniques d'agriculture-conservation. Je suis toujours adhérent de ce CETA d'ailleurs, et maintenant ça y est, c'est parti. Mais vous voyez le temps qu'il a fallu, hein, 95, 2015, pratiquement 20 ans, où rien n'a bougé. 2015, ça a commencé à balbutier, et puis là, depuis 2018-2019, c'est parti. Je crois que quelqu'un veut rentrer derrière. On a des étés extrêmement secs où les couverts ont été mal élevés. Et à partir de fin septembre, il pleut comme des seaux. Et voilà, donc on a une saison des sèches et une saison des pluies, comme en Asie. Et je peux vous dire ici, mais je ne suis pas une particularité, depuis le 25 septembre jusqu'à aujourd'hui, c'est le bilan ce matin, on a pris 150 mm. Et on a réussi à semer dans notre organisation là. Il reste 17 hectares à semer avant les dernières betteraves arrachées. On a réussi à semer 350 hectares de céréales. Après 150 hectares de seigle qui ont été semés pour la méthanisation au mois de septembre. Mais on a semé 350 hectares de céréales avec 2 semoirs. Hein, et pratiquement en 8 jours. 8 jours ouvrés. Alors on a travaillé tous les samedis, 2 samedis, 2 dimanches de suite.
Et avec le chanvre avant, parce qu'on récolte du chanvre pendant 15 jours, ça a été un troisième, donc c'est un peu compliqué au niveau de main-d'œuvre. Mais voilà, on a des gens très volontaires qui bossent. Et donc on a réussi à semer 350 hectares, ce qui est une performance. Et ma hantise dans ce système-là, c'est effectivement l'automne. Si on a un automne pluvieux, comment on fait pour semer? Parce qu'on n'a plus la charrue pour se rattraper. Derrière un labour, on arrive à semer. Derrière un semi-direct ou un petit travail superficiel de déchômage, et ben tout de suite, c'est de la boue, on ne peut plus semer, ça colle partout, etc. Bon. Donc c'est la principale difficulté qu'on a. On l'a résolue, je vous expliquerai comment tout à l'heure. Et c'est la progression donc, de notre cheminement. Donc, je disais que sur le plan économique, quand on a fait une structure, on a gagné 100 euros de l'hectare. Sur le plan social, sur le plan comment dire, du fonctionnement, on a gagné en souplesse et on a gagné en sécurité de travail. Et on a gagné en confort parce que chacun fait ce qui lui plaît le plus, hein, entre nous tous associés. Les enfants arrivent là-dedans maintenant, donc ça va être un changement de génération. Et les enfants donc ont adopté en quelque sorte à la fois l'acte de conservation. Pour eux, il n'y a pas question, c'est acte de conservation. C'est on va valoriser du carbone supplémentaire produit sur l'exploitation, donc nous on va intensifier encore l'exploitation. Donc vous imaginez bien qu'on est dans l'action inverse du discours inaudible pour moi de décroissance, hein, du discours ambiant, inaudible, c'est aller dans le mur. Moi je prétends, et on peut le prouver, que l'agriculture productive sur base ACS est capable d'améliorer la biodiversité, d'améliorer la qualité des sols, d'améliorer le revenu des agriculteurs et de limiter la faim dans le monde et de produire autre chose que de l'alimentation sans déstructurer les sols, bien au contraire en les améliorant. Alors ça c'est un discours qui est extrêmement difficile à faire passer, extrêmement difficile, parce que les gens opposent l'intensification à l'environnement, alors que tout va dans le même sens. Plus on intensifie la production agricole sur base ACS, j'entends bien, plus on va améliorer l'environnement, plus on va améliorer l'activité biologique des sols, plus on va améliorer la capacité de rétention en eau, donc la résilience du système par rapport au changement climatique, plus on va améliorer le stockage du carbone, donc la fraction d'humus dans le sol, plus le sol va être résilient, y compris par rapport à les techniques de semis. Je disais, ma hantise l'automne, et ben je m'aperçois cette année que on a 750, je veux dire 6 mètres, un semoir qui a la particularité de bien coller quand il fait humide, et ben il passe de mieux en mieux d'année en année. Pourquoi? Parce que les sols ils fonctionnent mieux, tout simplement. Ce même semoir que vous mettez sur un gars qui a labouré l'année dernière, il est planté, c'est pas la peine. Hein. Et ça, on s'en aperçoit, nous on le voit. Bon. Et donc au fur et à mesure de nos réflexions autour de l'acte de conservation, on s'est aperçu que tous les indicateurs allaient ouvert. Hein. Les sols sont plus fertiles parce qu'ils ont une meilleure activité biologique. On produit plus. Au début, on avait des difficultés parce qu'il y a toujours cette fameuse phase de transition. Moi, quand je fais des formations, on me dit « Ouais, la phase de transition, ça dure combien ? Et combien on va perdre ?» Et je reprends les propos de Jean-Luc Forler, qui dit, et ça j'aime bien, chez Jean-Luc ça, c'est « Aujourd'hui, l'agriculture est dans une situation où elle n'a pas le droit de prendre de risques financiers. Elle n'a pas de marge pour prendre des risques financiers. Donc on va vous accompagner dans un système dans lequel on limite les risques. Et que si on constate, si on pense que le passage avec la conservation des sols va faire prendre un risque financier à l'agriculteur, on ne le fait pas. Restez dans votre technique. Et gardez la technique que vous maîtrisez jusqu'à ce que vos sols soient prêts. Parce qu'on ne passe pas en acte de conservation quand les sols ne sont pas prêts. Supposez que vous ayez des sols qui soient matraqués. Eh ben, si vous implantez des betteraves en acte de conservation sur le sol matraqué, vous connaissez le résultat. Et donc, Jean-Luc nous dit, évidemment, et c'est évident, que quand on est en phase de transition, on ne met pas n'importe quelle culture les premières années. On évite la betterave, on évite le maïs, on évite aussi le colza, sauf si on a un strip-till. On évite toutes les plantes dont l'enracinement doit être profond et fragile. Par contre, les céréales, ça marche. Faites du blé sur la route, ça pousse. Voilà. Et moi, je suis toujours surpris d'ailleurs parce que mon salarié, dimanche, on a semé du blé dans un champ et il y avait un silo de betteraves. C'était complètement matraqué. Bon.
Il m'a dit, j'ai semé dans le silo de betterave, mais il poussera ce qui poussera. Ben, j'ai dit, tu verras, Eric, c'est là que le blé sera le plus beau. Bon, c'est marrant, hein, parce que... Bon, et ça, c'est l'expérience qui parle. Donc, la phase de transition, qui est toujours une question pour les gens qui veulent passer en ACS, eh ben oui, il faut la passer avec le minimum de risque. Donc, il faut adapter les techniques. Et il n'y a pas de recette miracle. Y a pas, on ne dit pas, aujourd'hui, vous labourez, demain, vous arrêtez de labourer, vous achetez un semoir. Parce que la question que posent les agriculteurs, quand on parle d'agriconservation, c'est, quel semoir tu as ? Oh, je dis, pourquoi ? Ça n'a pas d'importance, le semoir. Ça en a une, mais bon, je le fais volontairement pour taquiner. Et j'avais lu un bouquin d'un, je ne sais plus comment il s'appelle, un auteur anglais, un agronome. Enfin, je l'ai lu partiellement parce qu'il y a 700 pages. Et le gars disait, le système d'agriconservation des sols, il y a 14 questions à se poser. Et le choix du semoir, c'est la septième. Il avait hiérarchisé dans l'ordre hein, des questions importantes. La première question, c'est l'état du sol, naturellement. Hein. Le semoir, que vous ayez un semoir à disque, à dents, un bleu, un rouge, si le sol n'est pas prêt, de toute façon, c'est un échec. Donc voilà, tout ça c'est pour relativiser. Et les gens posent la question, le semoir, c'est quoi le semoir ? Le semoir, c'est pas un produit miracle. Moi j'ai dit, le semoir de semi-direct, c'est une clé à molette. C'est un outil qui passe partout et qui va bien nulle part. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut en avoir deux maintenant. Bon bref, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, la période de transition est une période compliquée, je l'avoue. Et moi quand on me demande qu'est-ce qui s'est passé pendant la période de transition, ben, j'en sais rien, j'ai rien vu. Parce que je suis membre du C2R, donc Bureau Fleur Champenoise, et dans les années de groupe, on compare mes résultats, où moi je suis en limite Nogentais, avec les résultats de ceux qui sont dans la plaine de Champagne. Et je peux vous dire que en matière de rendement en céréales, je suis dans la moyenne, voire le quart supérieur des rendements, et j'ai jamais été en dessous. Sauf l'année dernière, sauf cette année 2020, parce que les importations de 2019 ont été catastrophiques et je me suis un peu planté. Bon, enfin bref, on peut avoir 25 ans de semi-direct et continuer de se planter. Mais j'avoue que sur la période, je ne me suis pas beaucoup planté. La difficulté principale qu'on a dans la phase de transition, c'est les cultures de printemps. Pourquoi les cultures de printemps ? Parce que, et en particulier l'orge de printemps, parce que l'orge de printemps, ça sème très tôt. Et ça se sème dans des structures de sol favorables. Et en même temps, sur les sols réchauffés. Or, le semi-direct avec couvert végétal, donc l'ACS, a la particularité, comme la couverture végétale, ça sert de couverture, finalement, d'isotherme au sol. Le sol se réchauffe beaucoup plus lentement que dans un système labouré. Donc, l'orge patine. Et puis, les conditions de semis, évidemment, en fin d'hiver, ne sont pas toujours les meilleures en semi-direct par rapport à un labour qui réussit beaucoup plus vite. Donc, on a eu des difficultés, mais depuis 2 ans, et je retire 2020 qui a été une catastrophe en orge de printemps pour tout le monde, depuis 2018-2019, on fait des rendements d'orge de printemps qui sont équivalents donc à des systèmes labourés. Après des cultures qui marchent super bien au printemps, c'est le chanvre. Donc là, je ne suis pas en semi-direct en chanvre, mais c'est plutôt un petit SCS, parce qu'on fait un travail du sol au printemps pour toujours réchauffer un peu le sol. Mais ça, ça peut évoluer. Donc le chanvre, ça fonctionne bien. La betterave, ça fonctionne super bien. Là aussi, c'est du TCS, parce qu'on n'a pas le semoir adapté pour semer des betteraves en semi-direct. Alors j'ai des copains qui s'y essayent, là, mais c'est un peu compliqué. Donc les cultures de printemps ne posent plus de problèmes aujourd'hui après en avoir posé un certain nombre, mais parce qu'on n'était pas aussi, on n'était pas prêt dans le système et voilà. Alors, un des points d'orgue de l'acte de conservation, et ça c'est quelque chose qui est unanimement reconnu aujourd'hui, c'est la réussite des couverts végétaux. La difficulté en système là, c'est la réussite du couvert végétal. Pourquoi ? Parce que comme tout le monde, moi, dans les années 95, quand j'ai arrêté le labour, j'ai continué à faire du travail profond, j'ai fait disparaître ma paille, il fallait que la terre soit aussi nue que sur un labour. Alors on ne labourait plus, mais évidemment, on consommait beaucoup de fuel, les heures de tracteur. Et la difficulté qu'on avait, c'était qu'on retrouvait à peu près les mêmes inconvénients que le labour. Et petit à petit, quand on a compris qu'il fallait garder des résidus en surface, pire, il fallait qu'on cultive l'interculture plutôt que de déchaumer, c'est-à-dire qu'il fallait produire de la matière végétale
du carbone pour améliorer l'état des sols. Ça a mis un certain temps, parce que je vous dis, il n'y avait pas d'environnement agronomique à cette époque-là. Hein. Et ce n'est pas l'INRA ni Arvalis qui ont trouvé des solutions, bien entendu. J'ai oublié de dire que j'étais administrateur d'Arvalis et que quelque part, c'est sans prétention, j'ai aidé le conseil d'administration et la direction d'Arvalis à basculer vers l'agroécologie quand le FOL l'a mise en place. Je ferme la parenthèse. J'ai toujours été un peu seul dans mes propositions parce que, bon, suivi avec un peu de retard derrière, bref. Donc le couvert végétal, les couverts végétaux, c'est quelque chose de primordial dans le système. Parce qu'au fond, quand on reprend les critères qui définissent la conservation, et que je vais rappeler, il y en a trois. C'est un, des sols toujours couverts, ou plus longtemps possible. Donc il y a toujours une couverture sur le sol. Deux, c'est un minimum de perturbation. C'est-à-dire, c'est pas de travail du sol ou peu de travail du sol ou de travail chirurgical pour les semis. Et trois, c'est des rotations longues et diversifiées. Ok. Donc pour ma part, j'ai toujours eu 7, 8, 9 cultures. Et je vais venir à mon système. Et donc, la couverture du sol, qui est le critère principal. Comment on fait en sorte que le sol soit couvert le plus longtemps possible? Eh bien, avec le couvert végétal. Et le couvert végétal, c'est de l'interculture longue et c'est de l'interculture courte. Et ça peut être aussi de l'interculture et ça peut être aussi de la, de la plante compagne ou la plante de service, par exemple dans les colzas. C'est deux cultures en même temps. Et quand je fais des formations ACS, j'explique qu'il y a trois moyens au fond de couvrir les sols, hein, le plus longtemps possible, c'est ça. C'est l'interculture longue, courte et les cultures associées. Parce que de toute façon, tout ça, ça fait de la biomasse, et qu'à un moment donné, ça profite au sol. Alors la biomasse, vous avez deux choix, soit vous l'utilisez pour le bétail si vous avez de l'élevage, soit vous l'utilisez pour la méthanisation si vous avez de la méthanisation, soit vous l'utilisez pour le sol si vous n'avez rien de tout ça. Hein. Mais de toute façon, il faudra à un moment donné ramener de la matière végétale au sol. Et donc à partir du moment où on a compris qu'il fallait réussir les couverts, la question c'est comment réussit-on les couverts? Quand on sème un couvert végétal multi-espèce dans lequel il y a forcément une légumineuse, après la moisson, au cul des moissonneuses batteuses, il y a déjà deux conditions. On sait que les couverts végétaux, on les réussit mieux si on sème aussitôt le passage de la moissonneuse batteuse. Première question, organisation. Deuxième question, comment va-t-on faire lever un couvert végétal dans une terre qui est desséchée après la moisson, puisque la plante a tout pompé? Il n'y a plus d'eau et il ne pleut pas. Et il ne pleut pas pendant deux mois. Donc c'est les deux questions principales. La première, moi je l'ai résolue grâce à l'agriculture de groupe. C'est-à-dire que comme les chantiers de moisson, alors nous on stocke tous nos grains, donc avec des stockages qui ne sont pas des stockages très modernes. Une moisson batteuse qui débite 500 kWh et des stockages qui en absorbent 150. Donc il faut jongler, en mettre partout, reprendre des tas, etc. Donc il faut de la main d'œuvre. Alors ça, c'est les deux vieux qui l'assument, mon copain et moi. Et donc la moisseuse batteuse, elle tourne le plus longtemps possible. On a un transbordeur qui permet effectivement à la moissonneuse d'avoir le maximum de débit. Et on a dédié un chauffeur, un tracteur, au semis des couverts pendant la moisson. C'est-à-dire que dès que la moissonneuse est partie, on est capable de semer le couvert avec un chantier qui suit. Donc cette première question, on l'a résolue. La deuxième question, comment fait-on lever un couvert dans un résidu pailleux sec sur un sol sec? Dans le jeune Deere 750, on l'a bricolé de toutes les façons, jusqu'à y mettre des disques chasse-débris, avec un certain insuccès, je dois dire, et avec des levées difficiles, parce que le disque, si vous voulez, pile la paille, c'est l'aspect pinning. Donc la paille empêche les graines de lever, etc. La paille n'est pas suffisamment déplacée pour positionner la graine. Donc l'an dernier, réfléchissant à la question, à la double question de réussir mes couverts et pouvoir semer en automne du blé dans des conditions d'humidité importantes, où on connaît les limites du semoir à disque, je me suis dit, mais il serait peut-être temps de réfléchir, il n'y a pas de semoir universel. Il serait peut-être temps de réfléchir à l'acquisition d'un semoir à dents. Puisque la semoir à dents, et ça Jean-Luc me l'avait confirmé, le semoir à dents permet effectivement de positionner la graine directement en contact du sol,
en chassant les débris, les résidus végétaux. Et comme on ne veut pas déchaumer après la moissonneuse batteuse pour ne pas justement mélanger la paille et la terre, ça c'est le boulot des vers de terre, les vers de terre ils vont chercher la paille en surface pour la bouffer et l'emmener en profondeur. Donc il faut leur laisser faire le travail. Eh bien la solution c'est savoir à dents. Donc par les réseaux sociaux Twitter, j'ai connu un certain nombre d'agriculteurs extrêmement intéressants. Ça c'est un bénéfice. Il y a des cons sur Twitter, hein, mais aussi des gens super bien. Et j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Yves Courteau, qui est dans le Pas-de-Calais, qui s'essaye plus récemment que moi à la conservation, et qui m'a dit « Mais tu devrais aller voir Monsieur Jamais à Échieuse, dans le Loiret, parce que lui conçoit des semoirs à dents qui sont, et lui s'était équipé, qui sont pas mal. » Donc il est venu avec moi, on est allé voir ce gars-là, et puis on lui a fait concevoir un semoir de 6 mètres pliable. J'avais une trémie avant, qui est plus une trémie en grain, mais qu'on a adapté au grain, et qui permet donc d'assurer le transfert du grain vers l'arrière dans ce semoir. Et l'année dernière, on a fait de super couverts avec ce semoir-là. On l'a utilisé à l'automne pour faire des semis de blé, et cette année, on a moins bien réussi les couverts avec ce semoir-là, parce qu'il faisait encore beaucoup plus sec l'an dernier, et on n'a pas eu d'eau. Mais on a quand même réussi, vous verrez, je vous en montrerai après-midi, on a quand même réussi, pas trop mal nos couverts en définitive, à part une ou deux parcelles, grâce à ce semoir qui, au fond, est très simple, pas cher, et qui fait un travail complémentaire du semoir à disque. Et comme ça, on a les deux versions. Le disque pour passer dans les couverts végétaux importants, le soc pour passer dans la paille fraîche et qu'on n'a pas envie de mettre au fond du sillon. Et donc, et en même temps, on a doublé la capacité de semis avec deux appareils. Et cette année, si on a pu semer 350 hectares en 8 jours, c'est bien parce qu'on avait ces deux semoirs-là, hein, et qui ont travaillé en concomitance, mais là encore c'est une question logistique, organisation de chantier. Donc la réussite des couverts nous permet, alors l'an dernier, parce que l'an dernier on a eu des couverts qui ont levé, parce qu'on a eu la chance d'avoir un petit orage après les semis, ils ont levé, et puis après il a fait très sec, donc ils sont restés au ras du sol, j'ai dit ils vont crever. Et en définitive, il a plu au 25 septembre. Il a plu de façon assez continue parce qu'on était embêtés pour faire les semis après. Et là, j'ai vu mes couverts exploser. Et au 20 novembre, on a fait des pesées avec l'équipe de Jean-Luc. On a fait des pesées de nos couverts et on avait 5 tonnes de matière sèche hectare. Vous vous rendez compte? 5 tonnes avec des couverts qui étaient crevards au départ. C'est-à-dire qu'il y a de l'espoir. Et ces années, ça prend le même chemin. Hein. Les couverts qu'on ne voyait pas, ils vont faire de la biomasse. Parce qu'on a le bon mélange d'espèces, et ça c'est le conseil de Jean-Luc, évidemment, adapté au type de sol et adapté à nos rotations. Et donc ces 5 tonnes de matière sèche hectare, bah, ils vous amènent une qualité de sol qui est incomparable. Quand on sème au printemps, cette année par exemple, les chanvres qu'on a semés et qui ont levé difficilement parce qu'il faisait très très sec au mois de mars-avril, on a des chanvres qui ont levé avec un décalage d'un mois par rapport à la normale. Eh bien, la moyenne de rendement de mes chanvres, je pense que pour l'année, elle est exceptionnelle par rapport à ce que font tous les chanvriers. En chêne-vie, on a produit 10 quintaux et demi de chêne-vie, alors que beaucoup sont à 5 quintaux, en graines donc. Et en paille, on va être à presque 7 tonnes de paille, malgré un décalage de semis d'un mois. Alors qu'on sait que le chanvre, c'est une plante particulière qui s'arrête de pousser au 14 juillet. Je ne sais pas si c'est à cause de la fête nationale. Mais que vous le semiez au 1er janvier, au 1er avril ou au 15 mai, le chanvre s'arrête de croître au 14 juillet. Donc plus la période de croissance est longue, plus vous avez de chances de faire de la paille, des tonnages. Et là, comme ils ont levé avec un mois de décalage, pratiquement fin avril au lieu de début avril, on a perdu un mois de croissance. Et malgré tout, mes chanvres, ils font pratiquement 7 tonnes de matière de paille à l'hectare. Ce qui est une production presque normale, parce qu'habituellement on fait 7,5 tonnes. Ça veut dire que mes sols ont répondu, quelque part. Et ça, c'est probablement l'aboutissement de la technique des couverts, hein, qui a permis à ces sols de fonctionner. Et en même temps, peut-être qu'on a aussi accru la capacité en eau, la RFU, de ces sols grâce à la technique des couverts végétaux. Et donc, on arrive évidemment à des résultats qui sont tout à fait satisfaisants.
Donc voilà ce que je pouvais dire sur le système d'agriculture de conservation, qui va encore évoluer parce que maintenant on va parler méthanisation, deux minutes. J'ai dit on a implanté 150 hectares de seigle sur le groupe, là, puisqu'il faut préparer de la récolte d'avance. Hein, on devrait commencer à tourner en 2022. Les rotations qu'on a prévues, ça va être plutôt des systèmes cives d'hiver, parce que chez nous, compte tenu du climat et de la pluviométrie, c'est en hiver qu'on a le plus de chances de faire de la biomasse, donc des récoltes en silage au 15 mai. Et la question, c'est quelle culture allons-nous implanter au 15 mai pour faire une culture de vente ? Parce qu'on a décidé de ne pas faire deux cultures de méthanisation de suite, et qu'on veut garder des cultures de vente, et que chez nous, la principale marge, c'est le blé. Donc, il ne faut pas toucher pratiquement la surface de blé. Par contre, la méthanisation et la deuxième culture va remplacer une grosse partie des surfaces de ce qu'on appelle tête d'assolement, c'est-à-dire colza, pois, on arrête les pois protéagineux. Je faisais de la fétuque rouge, on va probablement aussi arrêter la fétuque rouge, gazon. Et on ne va garder que... On faisait de la luzerne, on va probablement aussi arrêter la luzerne. C'est de la luzerne d'Aisy. Donc on va garder betterave parce qu'on a un engagement betterave. Et puis ça nous permet d'avoir des pulls pour le méthaniseur. Et on va conserver le chanvre. Alors le système agricole tel qu'il est abouti aujourd'hui et qui va fortement évoluer dans les années qui viennent avec la méthanisation, donc il est quasi 100% avec très peu de travail du sol. Je vais citer un peu les outils qu'on a parce qu'on en a quand même un certain nombre. Ça peut être la difficulté, c'est que l'ACS ça se résume pas à un semoir, un pulvérisateur, une mosseuse batteuse. En fait, il y a toujours des cas où il faut faire une intervention pour un tas de raisons. Et en plus, comme nous sommes quatre agriculteurs dans la société MJ2R, tout le monde n'est pas au même degré d'évolution de son système. Par exemple, moi je pratique les couverts végétaux de façon régulière, mes collègues ils font plus des couverts administratifs. Donc ils passent par des phases de déchômage. Donc le système actuel, il est dans l'équipement de nos matériels. On a un certain nombre de tracteurs donc, qui sont plutôt anciens, puisque le plus récent a 6 ans. On a deux tracteurs de 200, 210 et 240 chevaux. On a deux tracteurs qui tournent autour de 150-140 chevaux. Et puis après les tracteurs très anciens, un 210 chevaux qui a 7000 heures, on a vu ça qui résulte de reprise d'exploitation. On a un tracteur qui a 20 ans et qui a aussi 8000 heures. Parce qu'en fait, quand on fait du chanvre en fait, et qu'on a de la vigne, et, au moment où tout ça se récolte, la vigne comme le chanvre, il faut des matériels un peu partout. Donc on a des tracteurs qui sont âgés mais qui coûtent pas cher et qui permettent de récolter le champ en même temps qu'on fait de la vendange, qui permet de tirer des bennes parce qu'on fait beaucoup de transport quand même avec la moisson. Donc pour revenir au parc matériel, la traction se résume à peu près à ça, on va dire que ça fait grosso modo un cheval et demi par hectare. On a une mosseuse batteuse de 9 mètres de coupe à rotor. On a également des outils alors deux semoirs, comme j'en ai parlé tout à l'heure, donc un semoir direct de John Deere 750 de 6 mètres, qui est équipé avec une cuve d'incorporation d'engrais liquide 1448 dans la ligne de semis. On a un semoir jamais récent, donc 6 mètres également, à 8 cm d'écartement, qui permet d'implanter les couverts et puis évidemment des céréales, équipé avec une cuve avant monosème qui permet d'envoyer la semence derrière, qui est plutôt à la base une trémie engrais. Et puis en travail du sol, on a des choses assez disparates, des trucs anciens, des trucs plus récents. Parmi les choses plus récentes, un compile d'uro de 6 mètres, qui a été un peu la pièce maîtresse de notre système tant qu'il est resté ACS, qui permet surtout d'implanter des cultures au printemps
avec un petit travail de sol, parce que ça fait un travail en cuillère, donc qui est très peu impactant sur l'activité biologique, qui fait un peu de terre fine, qui facilite la fermeture du rang. On a, depuis cette année, acheté d'occasion un carrier Valerstad de 6,50 m. Également, et ça c'est plutôt en vue de détruire les couverts, parce que jusqu'à maintenant on détruisait les couverts avec un broyeur 7 mètres, mais qui prend beaucoup de puissance et qui consomme du fioul, qui nécessite quand même derrière de repasser un outil pour faire un petit mulchage, parce que la répartition de la matière végétale n'est pas forcément bonne. Donc cette année on a décidé de détruire les couverts avec le carrier, et c'était la raison de notre achat d'occasion. Et puis on a qu'on utilise de façon assez exceptionnelle, un actisol de 4,30 m, donc une dent rigide qui va travailler à 15 cm ou plus, mais on ne descend pas, nous on s'interdit de descendre à plus de 15 cm. Et principalement pour reprendre des terres après récolte de betteraves. donc voilà, et pièce essentielle également, c'est un rouleau Cambridge de 12 mètres qu'on passe quasi systématiquement à chaque fois qu'on le peut derrière les semis. Que ce soit des semis de printemps, que ce soit des semis d'été, ou même des semis d'automne, cette année on n'a pas pu s'en servir, mais enfin on s'en est un peu servi. On repasse chaque fois qu'on peut le rouleau Cambridge pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il parfait la fermeture du rang. La deuxième, c'est qu'il perturbe à la fois un peu les campagnols et les limaces. Et la troisième raison, qui n'est pas des moindres d'ailleurs, c'est que s'il y a quelques pierres en surface, eh bien, ce rouleau entasse les pierres qui permettent de ne pas les ramasser. Et je dois dire que depuis qu'on a cet outil, qui a maintenant déjà de la bouteille, on ne ramasse plus beaucoup de cailloux, et ça c'est quand même une galère enlevée, hein, parce que le ramassage des pierres, c'est une vraie corvée. J'en ai assez peu parlé dans mon reportage, mais depuis qu'on est en semi-direct sous couvert végétal, on ne ramasse plus de pierres, et on ne les voit plus. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, parce que comment expliquer physiquement que dans une terre où il y a des cailloux, que tous les ans quand on labourait on en remontait des tonnes et des tonnes qu'on devait ramasser à la main, comment expliquer qu'aujourd'hui 20 ans après ces champs-là ne la reconnaissent plus, comme on ne voit plus les mouillères, on ne voit plus les cailloux. Probablement il s'est refait du sol, parce que la densité apparente du sol s'est un peu allégée, et probablement le caillou qui est plus dense, lui il n'a pas remonté, et c'est la terre qui a remonté. C'est probablement l'explication, mais j'en ai pas forcément d'autres, mais ça demande d'être confirmé. Enfin, c'est une observation, qui pour moi est quand même un critère assez sympathique. Alors, les cultures de mon assolement, alors actuellement l'exploitation, elle se divise en deux exploitations. Il y a une exploitation principale, la SEA Rousseau-Vendier, qui compte 237 hectares plus 4 hectares de vignes, et une exploitation qu'on faisait, donc qui faisait partie de notre réseau de partenaires prestataires que mes fils ont repris il y a 2 ans, qui est une SEA de en gros 100 hectares, uniquement en grande culture, sur des terres très très vallonnées, tout près de la vallée de l'Aube, de la vallée de la Seine, pardon, et des terres qui sont faciles à travailler mais qui sont difficiles à exploiter du fait des pentes. Et c'est cette ferme-là avec ses pentes, et d'ailleurs c'est un peu le cas chez moi aussi, nous interdit dans certaines parcelles de faire des betteraves. C'est interdit de faire de la luzerne, et donc on est réduit à n'avoir que des céréales, récolte moisseuse batteuse. Et donc ces céréales, bah, ça pose tout de suite le problème de la rotation, hein, puisqu'on ne sait plus trop quelle culture faire dans des parcelles pentues. On ne peut pas ni mettre de chanvre, parce que le chanvre se récolte en balle ronde, avec un moonballer. Donc vous imaginez une balle ronde qui est lâchée en haut de la pente, on a une route très passagère en bas de la ferme, et donc on a toutes les chances d'aller percuter une voiture et pire un cycliste. Donc oui, que ça restreint le champ des cultures qu'on peut faire sur cette ferme. Donc comme je le disais, l'ensemble des parcelles travaillées par la SAR et la MJ2R représentent en gros 800 hectares, répartis dans un triangle qui faisait 9 km de côté jusqu'à maintenant et qui s'agrandit un petit peu avec un autre 9 km. Donc on est dans un territoire quand même assez proche, hein, on ne fait pas 50 km pour aller d'une parcelle à l'autre, mais qui nécessite quand même une organisation logistique assez forte. Par exemple, déplacer un convoi de moissonneuses batteuses avec transbordeur, benne, etc., c'est quand même une voiture devant, parce que notre moissonneuse batte, elle fait 4,60 m hors tout, elle est équipée en pneus larges et en voies larges à cause des pentes.
Donc c'est des logistiques relativement lourdes et il faut quand même dans ces périodes-là un petit peu de monde. Alors je reviens aux cultures pratiquées sur la ferme. Cette ferme est céréalière, mais ça seulement, donc la principale culture c'est le blé tendre. Le blé tendre occupe grosso modo 100 hectares hein, sur les 237, et si je cumule les deux fermes, c'est 150 hectares de blé. L'escourgeon, orge d'hiver, est anecdotique. On en fait pour implanter des luzernes, parce qu'on fait de la luzerne déshydratée. Donc l'escourgeon sert de couvert à luzerne déshydratée. Et pas de couvert parce qu'on implante la luzerne aussitôt la récolte de l'escourgeon, pardon. Ensuite, on a de l'orge de printemps, là aussi, en quantité très variable, ça dépend tout simplement des cultures qu'on a pu implanter à l'automne ou des cultures, tête de rotation qu'on a implantées ou qu'on va implanter au printemps. Donc c'est un peu la variable d'ajustement. Comme culture tête d'assolement, on a des betteraves sur 27 hectares. On a du colza, là aussi on en faisait 60 hectares autrefois, cette année il y a 15 hectares de colza et ça va pratiquement disparaître. On avait des pois protagineux de printemps et d'hiver, on abandonne les pois protagineux de printemps qui ne servaient que de couvert de graminées fétuques rouges notamment. Mais bon, le plan protéines, on va l'oublier nous parce que faire des protéines chez nous c'est une gageure. Dans les meilleures années, on fait 50 quintaux en pois et cette année 2020, on a récolté 18 quintaux. Voilà. Donc, allez savoir pourquoi. Je pense que le changement climatique y est pour quelque chose. Les coups de chaleur au mois de juin, les difficultés d'importation font qu'on a du mal à réussir les pois de printemps. Par contre, les pois d'hiver, les rendements sont plus réguliers. Donc, on s'oriente plutôt vers les pois de printemps, également dans un but de nettoyage des sols, des terres par rapport aux graminées résistante en utilisant le kerb, évidemment, tant que le kerb fonctionnera. Ensuite, on a de la luzerne déshydratée, comme je le disais, pour environ 18 hectares, du chanvre pour 35 hectares, donc c'est du chanvre qui se récolte pour la chanvrière de l'Aube, coopérative, à laquelle nous sommes adhérents. On récolte le chêne-vie en premier avec la fauche batteuse, en coupant très haut les têtes. Ensuite, on fauche avec des doubles lames Busati. Et puis, on récolte la paille comme on récolte du foin. Donc, il faut la faner et on la récolte en balle ronde. Pour la bonne raison que la chanvrière n'accepte pas de ficelle plastique et que donc elle nous interdit la balle haute densité par les pépédiques. Qui est la ficelle plastique est la seule capable de résister à des fortes pressions comme ça. Donc il nous faut de la ficelle chanvre. Et la balle ronde n'a pas une très, très grande pression sur la ficelle, donc c'est acceptable. Par contre, c'est plus compliqué à manipuler, à stocker et à transporter, bien entendu. Mais le chanvre est une culture d'intérêt pour nous parce que c'est une excellente tête d'assolement. C'est une plante nettoyante vis-à-vis des adventices. C'est une plante structurante par rapport au sol parce que pivotante. Et c'est une plante qui demande très, très peu d'intrants. Parce qu'au fond, il n'y a aucun herbicide, aucun fongicide, aucun insecticide. Juste un glyphosate avant le semis, et encore, il faut bien le positionner, parce que le chanvre a une particularité d'être très sensible au glyphosate, même avant l'implantation. Donc il y a moindre résidu de glyphosate, perturbe la croissance du chanvre. Et comme autre production, et qui sont là aussi pour l'instant anecdotiques, le tournesol de temps en temps, quand on a un accident de culture. Donc j'ai fait à peu près le tour, donc ça doit faire 8 cultures, tout ça, et qui sont donc dans une rotation d'ordre de 4 ans, puisque le blé revient tous les 2 ans, puisque le blé faisant la meilleure marge, c'est la culture qu'on va privilégier, donc on fait toujours un blé un an sur deux, et une culture tête d'assolement entre deux blés. Alors, on va évoluer vers un système sieve méthanisation, évidemment. Donc la problématique qui nous est posée, enfin qu'on se pose, c'est il faut garder le blé parce que c'est la meilleure marge. Il nous faut produire des cives en quantité importante parce que on construit un méthaniseur de 450 nanomètres cubes et qui va nécessiter 100 tonnes par jour d'approvisionnement. 100 tonnes par jour d'approvisionnement avec 50% d'approvisionnement agricole, donc c'est 50 tonnes de poids agricole, dans lequel il y a un peu de pulpe et de betterave, mais il y a surtout de la cive. Les 50 autres pourcents étant des coproduits industriels pour lesquels on a déjà quelques contrats.
Donc ces cultures intermédiaires à vocation énergétique, ça va être essentiellement du seigle pour l'instant, hein, du seigle d'hiver, implanté au mois de septembre, récolté 15 mai. Et la question de la deuxième culture après seigle, parce qu'on est dans un système 3 cultures en 2 ans, la deuxième culture doit être une dicotylédone, en particulier une tête d'assolement, qui va servir de précédent au blé suivant. Donc on va garder notre blé tous les 2 ans. Et donc, tous les 2 ans, on aura une cive avec une deuxième culture. Et donc, parmi les deuxièmes cultures, implantées à partir du 15 mai, avec la problématique des étés secs, avec la problématique des cycles de culture très courts, et de la probabilité de pouvoir récolter au mois d'octobre, en grain, une deuxième culture, ça fait beaucoup, effectivement, de contraintes. Et donc, on réfléchit. Et on travaille là-dessus avec Arvalis en particulier, et avec Terra Solis également, qui est la structure qui s'est implantée dans la Marne sur l'ancienne base aérienne 112 en termes d'expérimentation. On travaille sur des cultures de type caméline, pour lesquelles on a une certaine référence dans le centre, et qui présente un important débouché chez Diestir Industries. Excusez-moi. Donc une caméline qui est un oléagineux, hein, et qui a la caractéristique d'être très tolérant à la sécheresse, qui ne produit pas grand chose, mais au fond, qu'est-ce qu'on cherche dans la deuxième culture? C'est avoir une culture PAC, donc qui puisse effectivement porter droit aux primes, et qui nous permette, avec la cive, d'aller chercher un chiffre d'affaires global de 1500 euros par an minimum. Sachant que la somme des charges d'implantation de notre cive d'hiver plus de notre culture doit être inférieur à une charge de culture blé. Charge de culture blé, c'est 550 euros l'hectare environ chez nous, parce qu'on a fortement réduit les insecticides et fongicides. Donc ça, c'est l'objectif d'aller chercher. Donc grosso modo, on va faire 800 à 900 euros de chiffre d'affaires avec la cive, et il faut chercher 600 euros donc, avec la deuxième culture. Ce qui veut dire qu'une caméline, ben, faut pas qu'elle fasse moins de 15 quintaux hectare. Si on fait une moutarde d'Éthiopie ou d'Abyssinie, également un oléagineux, il faut également chercher ce chiffre d'affaires. Si on fait un tournesol, ben, ça fait grosso modo un tournesol à 20-25 quintaux en deuxième culture, ce qui n'est pas forcément facile à atteindre. Après, on a d'autres choix. Dans les limons de Brie, on va faire du maïs, évidemment, avec des variétés très cycle court. On va faire du sorgho également, sorgho grain ou sorgho méthanisation. Là, on fera une deuxième culture méthanisable. Mais vous voyez, derrière tout ça, c'est toujours l'idée de faire le blé derrière. Et alors, je reviens sur le champ, parce que c'est intéressant. Le champ, avec son cycle de croissance, avec une croissance qui s'arrête au 15 juillet, eh bien, si on implante un chanvre au 15 mai, alors on sait le faire, parce que dans les terres de vallée inondables, on implante des chanvres quelquefois, moi j'en ai pas, mais j'ai mes voisins en ont, on implante des chanvres quelquefois au 1er juin, et qui arrivent à faire 3-4 tonnes de paille, hein, si nature nous prête un petit peu d'intention. En graines, on peut espérer faire une récolte de graines qui soit correcte, hein, de l'ordre de 7-8 quintaux hectares. Et donc, si on arrive à faire 3-4 tonnes de paille, c'est gagné. On va faire nos 600 euros sans problème. Et donc, toutes ces cultures nous permettraient effectivement d'aller complémenter nos cultures de cycle d'hiver. Donc, c'est le schéma dans lequel on s'oriente. Alors, deux autres atouts de la méthanisation, et ce sont des raisons pour lesquelles on est parti dans cette réflexion, c'est que, on en parle souvent, mais dans tous les systèmes ACS, on a quand même des problèmes avec les graminées résistantes. Régra, vulpin, chez moi c'est tout régra. En fait, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas parce qu'on est dans les systèmes de culture, même si les rotations sont longues, les systèmes de culture où les cérales reviennent tous les 2 ans. Et donc, tant que les cérales reviennent tous les 2 ans, on aura des problèmes de graminées. Et la méthanisation, du fait de la récolte en vert au 15 juin, permet, s'il y a des régras dans les cultures, de les ensiler, donc d'éviter que la graine puisse regermer dans les cultures suivantes. Donc c'est un moyen de déstocker les graines dans les sols, et donc d'alléger le coût des herbages et herbicides, évidemment des parcelles. Ça c'est une raison très très intéressante.
Et d'ailleurs, c'est tout à fait une surprise, parce que depuis que notre voisinage sait qu'on monte une unité de méthanisation, j'ai déjà eu des appels de voisins qui me disent, est-ce que tu prendrais des cives extérieures, parce que nous, on a des cas où on n'arrive plus à maîtriser les régras dans les blés, et dans certains cas, ça nous serait intéressant de les ensiler, plutôt que de les emmener à la récolte, où on va redéployer un volume de graines qui vont regermer de nouveau dans le... Donc c'est une nouvelle question. Alors, pourquoi implanter un seigle plutôt qu'un régras? Parce que, par expérience, c'est moi qui le dis, parce que moi j'ai pas l'expérience, mais c'est Hervalis qui le dit, et les méthaniseurs actuels, le seigle est beaucoup plus performant en termes de normomètres cubes produits par hectare. Et le régras, il a un gros inconvénient, c'est qu'il verse. Et un régras qui verse, c'est très difficile à récolter avec une ensileuse. Il faut des cultures droites. Donc, c'est aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de choix d'espèces. Il y a le seigle, il y a le triticale qui est intéressant également, quelques anges d'hiver fourragères également qui peuvent être intéressantes en méthanisation, mais ça reste des graminées. Voilà, des graminées à grains, quoi, on va dire ça comme ça. L'autre raison qui nous a amené à réfléchir à méthanisation, c'est une raison plus environnementale. C'est que aujourd'hui, l'agriculture est montrée du doigt pour ses impacts sur l'environnement et notamment par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Et parmi les émissions de gaz à effet de serre, le poste le plus important est probablement celui de la fumure minérale azotée. Et on sait que la synthèse de l'azote coûte cher en GES, en carbone fossile, parce que c'est du gaz fossile qui sert à fabriquer l'azote. Dans le digestat, la caractéristique, c'est d'avoir un statut azoté très intéressant, parce que quand les bactéries consomment la matière végétale, en fait, elles extraient le carbone, une partie du carbone, et elles laissent tout le reste, l'azote, le phosphore, le potassium. Et donc, double intérêt, l'azote du digestat, parce qu'un digestat, ça fait en gros 5% d'azote, dans lequel il y a les deux tiers d'azote ammoniacal et un tiers d'azote nitrique, ce digestat va servir à fertiliser les cultures et donc éviter l'achat d'engrais azotés minéral. Donc sur le plan du bilan carbone, c'est bon. La réglementation autour de l'azote est en train de se resserrer et on se rend bien compte aujourd'hui que Air de Paris commence à mesurer des N2O dans l'air de Paris quand on épand les premiers apports d'azote au mois de février. Donc il faut trouver un moyen effectivement de limiter ça, parce que sinon on va en prendre encore un coup. Donc l'azote organique des digestats se justifie, on va l'incorporer dans les blés avec des petits appareils d'enfouissement, pour en perdre le minimum d'ailleurs, donc on a le statut d'azote organique plutôt que d'azote minéral, donc économie circulaire. Le deuxième intérêt de ce digestat, c'est que le phosphore, le potassium, le magnésium qu'on a extrait à travers la croissance du végétal, qu'on extrait du sol, lui n'est pas digéré par les bactéries, et le digestat revenant au sol, il va réintégrer ce PKMG dans le sol. Mieux, les 50% d'intrants extérieurs qu'on va acheter à l'agro-industrie, notamment, contiennent également du PKMG. Et donc on va avoir un approvisionnement extérieur, source extérieure de PKMG, à réintégrer dans le sol et qui sera gratuit. Vous voyez, donc autonomie par rapport au phosphore, qui devient quand même une denrée rare, parce que tout le monde dit aujourd'hui que les ressources de phosphore sont limitées dans le monde. Donc c'est une sorte d'autonomie, en fait, qu'on va travailler avec ça. Maintenant, reste un point noir avec les digestats. C'est que le digestat, c'est un déchet. C'est considéré comme un déchet, c'est pas un engrais, c'est pas normé. Donc il faut un plan d'épandage. Donc il faut décrire à l'administration l'endroit où on va épandre ces digestats. Et c'est une logistique très lourde, parce qu'on sort autant de digestats qu'on rentre de matière, grosso modo, le gaz ne pesant rien. Et comme dirait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se conserve. Donc le digestat, on va en sortir autant de tonnes qu'on va rentrer d'intrants. Et donc il faut l'épandre. Et l'épandage digestat a des périodes qui sont un peu compliquées, notamment en sortie d'hiver où les terres sont peu portantes. Il faut un appareillage lourd qui va compacter les sols, etc. Donc, on est en train de réfléchir avec un entrepreneur. On a la chance, nous, d'être dans la Marne, il y a des betteraves, il y a des cultures industrielles, et on a des entrepreneurs qui sont capables d'épandre des eaux de sucrerie, des enfouirs même, avec des appareils très performants.
Et on ne promène plus des tonnes d'alisiers dans les champs, on promène des enrouleurs. Des enrouleurs comme pour irriguer. Traînés par un tracteur, on étale le tuyau et puis l'enrouleur suit le tuyau. On met une cuve 90 mètres cubes au bout du champ qui est approvisionnée par les camions en digesta. Le tracteur, la pompe tire le digesta de cette cuve, l'envoie dans le système d'enrouleur avec une rampe qui va épandre, tirée par le tracteur et qui va épandre sur une certaine largeur ce digesta. Donc on commence à trouver des appareils aujourd'hui extrêmement performants. Ça vient de Hollande, hein, c'est pas un hasard, parce que là-bas ils font énormément de lisiers et de digesta. Et à des coûts intéressants parce que l'entrepreneur va amortir son matériel sur les travaux de sucrerie et sur les digesteurs. Donc vous voyez, ça c'est aussi un atout. Et puis il faut garder des distances qui soient raisonnables malgré tout, parce que les grandes distances sont toujours susceptibles de peser en termes de coûts. Donc ça c'est quand même, on va dire que le digesta c'est comme un point noir de la méthanisation, et il est évident que plus on trouvera des matières riches en carbone, donc à fort pouvoir méthanogène, et moins on dépendra de digesta. Voilà. L'idée c'est de mettre moins que 100 tonnes par jour pour produire nos 450 nanomètres cubes. Donc voilà, c'est tout un cheminement nouveau. Donc vous voyez que sur le plan agronomique, c'est une vraie réflexion. Et quel est l'atout de l'ACS dans ce système méthanisation? Il y a plusieurs. D'abord, l'ACS, c'est les sols portants. Et je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Lucien Segui, qui disait, Pierre Sonam, que les sols conduits en ACS ne se tassent pas. Et on le voit, nous, en betterave, ça c'est symptomatique. On a arraché des betteraves l'an dernier dans des conditions épouvantables au mois de novembre. Et on ne voyait pas la trace d'ébène ni de la machine qui arrachait, quoi. Et on a semé du blé direct derrière. Et le blé direct derrière, ce mois 13 novembre, il a fait 90 quintaux hectares. C'est vous dire l'état de nos sols. Je ferme la parenthèse. Donc c'est Lucien Segui qui disait, je crois, que les sols conduits en ACS, une fois qu'ils ont atteint leur qualité, je dirais, biologique, structurelle, etc., ne se tassent pas. Donc, permettre de passer des charges relativement lourdes en conditions un peu limites sans déstructurer ces sols. Ça, c'est le premier point de l'ACS. Le deuxième point, c'est que quand on est équipé pour faire de l'ACS, la réussite de trois cultures en deux ans, c'est la rapidité d'intervention du deuxième semis après la récolte. Donc, même chose que pour les couverts d'annonce batteuse, nous, on va s'équiper, on va tout faire, faire en prestation la récolte, le transport, le tassement du silo pour les cives, et se consacrer uniquement au réensemencement de la zone culture. C'est-à-dire que le semoir doit suivre la récolteuse pour implanter un jour, c'est un jour, quand on est au mois de mai. Donc pour réimplanter une nouvelle culture, on va donc mettre tous nos efforts pour que le travail soit fait le plus rapidement possible, et aussi pour conserver le minimum d'humidité nécessaire pour faire lever la deuxième culture. Parce qu'on imagine qu'une deuxième culture qui ne lèverait pas tout de suite, elle est fortement handicapée, quoi. Et je dirais même qu'elle est foutue. Donc vous voyez, c'est les raisonnements, encore une fois, agronomiques qui emmènent des raisonnements d'organisation logistique qui nous font penser à tout ça. Alors après, au niveau des équipements, il va forcément y avoir des évolutions dans les équipements. Aujourd'hui, on n'est pas équipé de strip-till parce qu'on n'en voit pas l'intérêt et parce qu'on fait assez peu de cultures finalement monograines, à part les betteraves. Donc probablement, il va y avoir une réflexion autour du strip-till pour implanter des sorgots, pour implanter des tournesols, pour implanter, pourquoi pas, des betteraves de deuxième culture. Le seul problème, c'est que la graine est chère pour faire une deuxième culture avec un potentiel limité. Mais bon, c'est une réflexion qu'on conduit aujourd'hui. Donc pourquoi pas strip-till, un système qui permet d'implanter avec un travail du sol de 10 cm, d'injecter de l'azote dans la ligne de semis en profondeur et booster la culture, parce qu'il faut toujours booster la culture en semis direct. Hein. En fait, il faut compenser le moindre réchauffement par une fumure starter, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut évoluer vers ça, et donc c'est une réflexion qu'on conduit aujourd'hui. Donc voilà où on en est de notre système et de notre réflexion actuelle. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, et je pense que quand j'aurai quitté la scène, moi, au titre d'exploitant agricole, mes successeurs auront encore beaucoup de questions à se poser. En tout cas, je pense qu'on est bien parti parce que le système a bien évolué. On a un bon environnement technique aujourd'hui avec l'accompagnement de Vivesia, du CETA,
Tous nos réseaux, je dirais nos réseaux sociaux avec lesquels on communique, nos groupes WhatsApp avec les agriculteurs qui sont quand même assez exceptionnels. Je dirais que le numérique nous apporte quand même quelques facilités en la matière. Hein. On correspond même avec des agriculteurs étrangers sur des techniques d'implantation comme ça, et c'est très très intéressant. Donc je dirais que l'avenir est devant, ça c'est pas une nouveauté, mais c'est l'avenir qu'on va se construire qui est intéressant. Et donc la méthanisation, c'est la garantie, à moins que le gouvernement revienne sur ses engagements, ça on l'a déjà vu malheureusement, la méthanisation c'est le seul produit, le gaz c'est le seul produit agricole dont le prix est garanti pour 15 ans. Donc même si les investissements sont très lourds, je pense qu'on a quand même une visibilité qui est plus intéressante que sur le prix des céréales, où là, ben, même si actuellement le prix du blé est très très intéressant, et même s'il a été plutôt correct depuis 2 ans, parce que j'estime que du blé à 150 euros c'était un prix correct, eh bien on a aussi vu il n'y a pas très longtemps du blé à 90 euros la tonne. Et que là, si le blé arrive à 90 euros la tonne, on le mettra dans le méthaniseur. Si les betteraves continuaient d'être payées à moins de 20 euros la tonne, on les mettrait dans le méthaniseur. Donc vous voyez, c'est une nouvelle façon d'organiser la valorisation de nos cultures et donc la valorisation de nos sols. Et donc c'est un permis, en quelque sorte, de stabilité de revenus qui nous arrive. Et je dirais, pour ajouter tout ça, que jusqu'à maintenant, on était serein dans notre système parce qu'on avait des vignes. On a des vignes. Et que la vigne à champagne, bah, c'est vraiment le truc sans problème. On vendait 10 000 kilos hectares de raisins à un prix de 6,50 euros le kilo. Donc, en gros, un hectare de raisin, ça fait la même marge que 100 hectares de culture avec beaucoup plus de sécurité. La crise du Covid passant, et la crise du champagne d'ailleurs, qui était en filigrane, nous a rapidement ramené à la réalité. C'est-à-dire que la vigne de champagne demain peut être une culture difficile en termes de revenus, ce qui était inimaginable il y a encore 6 mois. Cette année, on nous a acheté 7000 kilos de raisins, enfin 8000, mais 7000 sont payés. Donc vous voyez tout de suite que c'est la marge qui est partie, parce que les charges vont rester les mêmes. Et que donc, dans un système agricole, il ne faut pas mettre tous les atouts, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, comme on dit. Donc la diversification des cultures, la diversification des rotations, la diversification des débouchés, et le biogaz fait partie de ces débouchés, est un atout pour sécuriser le rendement. Et je dirais qu'au-delà du contrat de 15 ans qu'on a avec l'énergéticien avec qui on a signé, eh bien, demain c'est une station de bio-GNV qu'on va faire. Peut-être que nos tracteurs tourneront au bio-GNV, les camions, les cigoreries tourneront au bio-GNV, les camions de la coopérative au bio-GNV, on est en train d'y travailler déjà, d'y réfléchir. Et vous voyez que l'agriculture là, elle va vraiment rentrer dans une économie circulaire. Et certains, et j'avais rencontré avec Frédéric Thomas, un agronome aux États-Unis en 2013, qui devait être en retraite maintenant, qui nous disait, en 2025, on devrait être capable de rendre l'agriculture autonome par rapport aux fossiles, et en 2050, l'agriculture devrait être capable de fournir de l'énergie positive aux citoyens. Donc ça, c'est quand même une réflexion extrêmement intéressante. Et ça pose la question d'ailleurs du prix des terres. Et quand on voit que le prix des terres continue d'augmenter malgré la baisse des revenus, c'est parce que derrière ce prix des terres, il y a des acheteurs. Et ces acheteurs, ce n'est pas forcément que des agriculteurs. Il y a un certain nombre de personnes aujourd'hui qui ont de l'argent, qui se méfient des banques, qui se méfient ou qui trouvent que ça ne rapporte pas assez, et qui investissent dans l'agriculture, qui investissent dans les sols, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, on aura probablement 10 milliards d'habitants à nourrir dans les années 2030 à 2050, qu'il faudra bien les nourrir, ces gens-là, sur des surfaces agricoles qui ne sont pas en extension, même si on cultive la Sibérie demain, et que donc, il va falloir intensifier la production de chaque hectare, quoi qu'en disent les écolos, il faudra intensifier cette production, il faudra rendre cette intensification compatible avec l'environnement, avec la préservation de l'environnement, et avec la préservation des sols, et donc je crois que avec les outils que je viens de vous décrire ce matin, qui sont l'agriculture-conservation, la sécurité de pouvoir cultiver ses terres, soit en ayant un temps propriétaire, soit en ayant des baux de longue durée,
l'investissement que font des fonds dans les terres aujourd'hui, et si on est capable effectivement de transformer ça en acte de production, la méthanisation, les énergies renouvelables, que ce soit du photovoltaïque, que ce soit des éoliennes, on peut en dire ce qu'on veut, bah, tout ça, ça existe chez nous. Hein. Et donc, je pense qu'on est en train d'ouvrir l'éventail des solutions autour de l'agriculture pour la transition énergétique. Bon, j'ai pas tout en tête, hein, parce que tout est enregistré. Alors, moi, j'utilise le logiciel Geofolia. Geofolia, donc, c'est une cartographie sur Internet. Et donc, j'ai d'abord, j'ai dit tout à l'heure quelles étaient mes cultures. Les rendements de l'année 2019, ça vous intéresse, je suppose. Hein, c'est pour vous situer, si vous voulez, dans la région dans laquelle je suis, qui n'est pas la région de Fère Champenoise, qui a moins de potentiel, mais voilà, on n'a pas de chance, on est là. Donc en blé, l'an dernier, sur 95 hectares, on a produit 9 tonnes 4 de moyenne. En orge de printemps, sur 27 hectares, on a produit 8 tonnes 2. En chanvre, sur 27 hectares, alors ça c'est que la SER Rousseau-Vendier, parce que l'autre ferme est sur une comptabilité. En chanvre, sur 27 hectares, on a produit 11 quintaux de chêne vie et on a produit 7 tonnes 5 de paille. En betterave, on a produit 88 tonnes à 16 sur 18 hectares. En pois, 5 tonnes. En colza, le bouillon, 19 quintaux, parce que mal levé. Les ravageurs, évidemment, quand ça part mal, ça part mal. En luzerne déshydratée, 15 tonnes 5. Donc voilà pour l'essentiel des productions. Alors maintenant, les itinéraires techniques. Sur le blé, c'est assez simple. Le blé, le gros poste. Alors moi, je fais en blé sur 95 hectares, on a 25 hectares de production de semences RA, contractualisé avec la coopérative. Donc grosso modo, on va dire que la prime de multiplication me paye la semence. On va dire ça comme ça. La production de semences me permet de changer un peu mes variétés, de chercher un peu les variétés de tête. Et je précise au passage que j'achète 100% de semences certifiées. Je suis devenu un oiseau rare, parce que c'est devenu très rare aujourd'hui. Mais étant producteur de semences, je considère que, enfin c'est pas changé, la coopérative d'abord m'oblige à acheter 100% dans l'espèce en semences certifiées. Mais en plus, moi je reste convaincu que le coût de la semence est un faux coût, et qu'en tout cas, c'est le prix à payer pour avoir demain des variétés performantes. Parce que puiser dans sa cellule, bon, si tout le monde en fait autant, je pense que la recherche va rapidement baisser les bras et qu'on n'aura plus le renouvellement génétique nécessaire. Et d'ailleurs, on voit bien que dans les espèces où le passage à la semence certifiée est obligatoire, donc les betteraves et le maïs, eh bien, les performances des nouvelles variétés sont quand même au rendez-vous. Voilà. Je vais vous citer un exemple. Quand j'étais technicien de CETA, donc dans les années 75, on produisait dans les meilleures terres de Champagne 60 tonnes de betteraves à l'hectare. On mettait 200 unités d'azote pour produire ces 60 tonnes. Aujourd'hui, on produit dans ces mêmes régions 110-120 tonnes de betteraves à l'hectare avec 100 unités d'azote. Ça vous montre, et ça c'était il y a 40 ans, hein, ça vous montre le progrès génétique. Hein, parce que ce n'est pas que le savoir-faire d'agriculteur, hein, c'est le progrès génétique. Et en maïs, les rendements sont... la progression est moins spectaculaire, et je ne suis pas un spécialiste du maïs, mais moi j'en fais pas. Mais les rendements ont quand même sacrément augmenté. Alors, c'est un autre chiffre également. Aux États-Unis, on sème du maïs OGM. Dans les mêmes années qu'il y a 40 ans, aux États-Unis, on faisait 75 quintaux de maïs à l'hectare, alors qu'en France, on produisait 80. Aujourd'hui, en France, on produit 100 quintaux de maïs à l'hectare. Aux États-Unis, on produit 130 à 140. Ça vous montre là encore le progrès génétique qui a été lié aux OGM aux États-Unis et qui nous est interdit chez nous. Je ferme la parenthèse. Je ne ferai pas de commentaire. L'itinéraire du blé. Bah, il est semé maintenant, là, à partir de 7-8 octobre, en direct, autant que possible. Hein, donc sur les précédents colza, luzerne, betterave, chanvre, colza. Donc ce sont les principales têtes d'assemblement du blé. Donc semé direct, en général avec le semoir à disque, en particulier sur chanvre, parce que sur chanvre, on se permet la fantaisie
Une fois qu'on a ramassé la paille, il y a toujours de la paille traînante qui reste. Donc tous les gens qui labourent sont obligés de passer un coup de herse pour ramasser les pailles qui traînent, parce que ça s'enroule partout, c'est de la ficelle. Et nous, si on a la chance, alors c'est pas le cas cette année, mais si on a la chance qu'il fasse sec, comme on dit, semis de blé derrière champ, on passe avec le John Deere 750 direct, y compris dans la paille qui n'est pas ramassée, et ça se passe très bien. Et on fait de très bons rendements sur champ en semis direct. Cette année, c'était un peu plus galère parce qu'on n'a pas ramassé la paille, il n'a plus derrière, donc après on ne peut plus la ramasser. Et là, on a eu quelques enroulements. Quoi. Le chauffeur en a bavé un peu quand même. Donc sur le blé, grosso modo, à début octobre, on met 300 grammes mètre carré. Dans les terres blanches, on va mettre 320. Je ne sème pas très dense. Ensuite, on fait un herbicide de poste semi-prélevé, essentiellement pour sulfocarbe ou chlortoluron, ça dépend. Suivi de la phosburie, non, j'ai oublié le nom, de flufénacet, je crois. La phosburie DFF, qui permet de complémenter le réservoir d'automne. Et ce qu'il faut viser, c'est 0 graminée à l'entrée d'hiver. 0 graminée à l'entrée d'hiver. Si l'on lève au printemps, on évalue le risque de repasser une sulfonie lurée. Là, un coût de désherbage est énorme. Avec le risque, j'aime pas les sulfonylurées au printemps parce que c'est toxique pour les couverts qu'on va implanter après la moisson. Donc on évite de le faire. Si effectivement il faut le faire, on le fait, hein, parce qu'il faut quand même sauver la culture. Ensuite, insecticide contre pucerons. Donc là, on observe, il y a ou il n'y a pas. En général, on fait quand même un insecticide, une petite pierrette au stade d'une feuille à deux feuilles. Hein. Si on pense que l'hiver va être très doux comme l'an dernier, ben on repasse début décembre avec une deuxième application d'insecticide, à petite dose. Ce qu'il faut là encore, c'est que la végétation soit propre de pucerons à l'entrée de l'hiver. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on fait sur les blés l'automne. Ensuite, sortie d'hiver, dès que possible, donc 15 février, on applique un azote soufré, sulfate d'ammoniac tout simplement, à raison de, allez, on va dire 60 unités hectares d'azote. Et puis ensuite, tout le reste se fait à la solution azotée. Donc le deuxième apport, il est très près du premier, parce que l'expérience qu'on a montre que sur le plan climatique, la période le risque d'avoir la période la plus sèche, c'est au mois d'avril, mars-avril, chez nous. Et si on n'a pas mis l'azote quand le sec arrive, le deuxième apport, donc avant le stade B, eh bien, on a compromis le rendement de la culture. Donc, on est parti vers un système où on va pratiquement mettre le plus gros de l'azote avant le 10 mars. D'accord ? Et on va se réserver un complément au mois de mai, de l'ordre de 40 unités, s'il pleut, si le potentiel du blé est bon, etc. Mais il faut viser pratiquement 100%, presque 100% de l'azote au mois de mars. Et quand on fera quand on appliquera des digestats, on mettra pratiquement tout l'azote au mois de février et mars, d'un coup, lors de 30 mètres cubes de digestat. Ensuite, protection fongicide, il n'y a plus grand chose, puisque on ne regarde même plus le piétin inverse, il n'y a plus de piétin inverse quand on est en ACS. Il n'y a plus de piétin chaudage. Le risque, c'est septoriose. Bah, septoriose, on a des outils de pilotage. Donc c'est Taméo maintenant, mais peut-être que je vais changer. Je ne le trouve pas très convivial. Donc c'est un outil qui est vendu par la coopérative. Et donc là, on pilote à vue, et la dose également à vue en fonction du risque que présente la végétation et par rapport au climat. Donc je suis équipé en station météo Sencrop qui nous dit assez précisément d'ailleurs l'hygrométrie au moment du traitement et puis la vitesse du vent, etc. Bon, c'est plutôt un confort de travail. Ceci dit, ça ne dit pas le temps qu'il va faire demain, donc on en est toujours au même point. Bon, même si on a des météos de plus en plus pointues, c'est pas encore la perfection. Hein. Donc fongicide, ça va se résumer à deux traitements, deux applications, une application anti-septo et une application anti-fusariose à l'épiaison. Le coût fongicide, cette année, c'est 40 euros de l'hectare. On était à 80 il y a 10 ans. Le coût insecticide, c'est uniquement la pyrette qu'on va mettre à l'automne. Il n'y a plus d'insecticide de végétation, et je me l'interdis. Cette année, on a eu un peu de pucerons à l'épiaison. Bon,
J'estime qu'il faut supporter ça parce que dans notre système ACS, on travaille beaucoup avec les auxiliaires. Et Jean-Luc Forlin nous explique assez facilement que à chaque fois qu'on sort le pulvée avec un insecticide, en fait, on flingue une partie du cycle des carabes qui bouffent les limaces en particulier, ou des coccinelles qui bouffent les pucerons. Et donc, il faut éviter quoi. Il faut éviter autant que faire se peut. Et donc, on ne fait plus d'insecticides en végétation, sauf à l'automne. Et c'est vrai pour pratiquement toutes les cultures. Ben voilà, une fois qu'on a fait ça, on a fait le tour de la question. Régulateur, pratiquement plus. Un litre de C3 ou C5, je dirais par sécurité, au moment au stade B, grosso modo. Mais je pense que en limitant la densité de semis à 300-320 grammes mètre carré, donc en favorisant le tallage, on a moins de risques de verse. On a des variétés aujourd'hui qui sont quand même beaucoup plus tolérantes à la verse que celles qu'on avait autrefois. Alors moi, je mise beaucoup au niveau du choix des variétés sur leur rusticité par rapport aux maladies, par rapport à la verse, hein, en particulier. Parce qu'à chaque fois qu'on pourra remplacer des phytos par de la génétique, on aura gagné quelque chose. Voilà. Parce que le phyto, il y a toujours une contrepartie. Quand vous mettez un fongicide, vous flinguez aussi les champignons du sol. Et les champignons du sol sont des saprophytes. C'est eux qui vont permettre à la plante de mieux s'alimenter en phosphore et potassium, notamment en phosphore, parce que nous, en Champagne, on a la particularité d'avoir du phosphore qui descend rapidement se fixer sur la roche-mère, le calcaire. On a des pH à plus de 8. Hein. Donc, c'est pour ça aussi qu'on apporte du phosphore dans la ligne de semis, du phosphore de l'orthophosphate, donc qui est la forme la plus soluble du phosphate, pour permettre à la plante d'en consommer un peu. Donc après, c'est les champignons, ça profite, qui vont aller chercher le phosphore de la roche-mère pour alimenter la plante. Et on essaie d'en apporter moins sous forme engrais. Alors, normalement, on n'exporte pas de paille, donc on broie aux sorties de la moissonneuse batteuse. Et puis on sème le couvert derrière aussitôt. Donc il n'y a pas de travail du sol, sauf quelquefois on va passer une herse à paille, on a une tecmagri 12 mètres. Cette année on ne l'a pas fait, on a peut-être eu tort, parce qu'au fond de la tecmagri, elle fait un tout petit peu de terre fine, qui permet à la ligne de semis de se refermer pour le semoir. Parce que le semoir tecmagri, il a un socle très étroit, 12 mm, si bien que si on n'avance pas trop vite, à 8 km/h, on ne voit pas où il passe, pratiquement le sillon se referme. Mais cette année, comme on a des sols qui n'ont pas hiverné, il n'y a pas eu de gel, et qu'ils étaient mal structurés à cause de, si vous voulez, de l'année précédente, qui avait été très humide, l'hiver très humide, quand on a passé la dent, elle a éclaté un peu comme une sous-soleuse, et donc on avait des mottes plutôt que de la terre fine, et ça explique aussi pourquoi on avait des mauvaises levées de nos semences de couvert. C'est qu'il n'y avait pas de terre fine pour recouvrir la semence. Et on a beau passer un rouleau Cambridge, on ne ferme pas bien le sillon. Donc peut-être que le passage de Tecmagri est utile, mais c'est encore au plan logistique, un tracteur attelé sur une machine, il ne faut pas beaucoup de puissance, mais bon, c'est pour ça aussi qu'on a des vieux tracteurs, hein, qu'on garde pour pouvoir avoir de la souplesse. Donc le couvert est semé, parce que généralement derrière un blé jusqu'à maintenant, eh ben, c'est une culture tête d'assolement. Demain avec la méthanisation, ce sera du seigle. Donc l'itinéraire sera différent. Si on est en interculture courte, on va semer de la févrole, parce que la févrole va permettre d'enrichir le sol en azote et permet, avec des petits coups de glyphosate, parce qu'elle est assez tolérante au glyphosate, permet de nettoyer le champ sur le plan des graminées sans aucun travail du sol. Et on va réimplanter, quand on fera des seigles, on fera de la févrole derrière le blé, aussitôt le blé, et on va implanter le seigle dans la févrole, avec des petits coups de glyphosate. En interculture longue, alors moi j'achète des couverts qui viennent de chez Vivesac, qui sont tout préparés, qui sont des atouts sols qu'on appelle. Ce sont des mélanges de légumineuses, en particulier de l'avesse velue, variété Massa ou équivalent, d'avesse velue qui couvre très vite. Et en même temps, on mélange de la brassica, enfin de la moutarde d'Éthiopie, qui est plutôt un radis d'ailleurs dans son comportement, mais qui a un enracinement extrêmement puissant et qui structure le sol. Et qui fait beaucoup de biomasse, même si ça paraît pas comme ça fait énormément de biomasse. Et puis on met là-dedans un peu de facélie pour lier le mélange. On met 500 grammes de facélie à l'hectare, ou jusqu'à 1 kg. Et on va mettre après des trucs qui nous restent, hein, des semences de pois qui nous restent, on va mettre je sais pas quoi, de manière à faire un mélange
qui soit assez varié en termes d'espèces. Et donc, l'objectif de ce mélange, il y en a au moins trois. C'est un, couvrir le sol très rapidement pour avoir l'effet désherbage. Deux, c'est apporter de l'azote par les légumineuses pour faciliter la transformation du carbone de la paille en humus. Parce qu'à chaque fois que, je rappelle que dans une tonne, dans un kilo de sol, il y a 600 grammes d'humus. Et que dans ces 600 grammes d'humus, il y a aussi 100 grammes d'azote. Donc, l'azote représente à peu près 100% de la fraction de 10% de la fraction de l'humus. Donc, si on veut faire de l'humus, donc transformer du carbone en humus, il faut apporter de l'azote. Ça explique pourquoi nos parents autrefois mettaient de la solution azotée sur les pailles pour les faire décomposer. C'était pas idiot. Aujourd'hui, c'est interdit par la directive nitrate, mais n'empêche que c'était pas idiot. Donc, nous, on met des légumineuses, parce que les légumineuses ont fait le travail à la place. Donc, deuxième point, c'est apporter de l'azote. Et troisième point, c'est structurer le sol pour remplacer les outils, tout simplement. Donc, préparer le sol à l'accueil de la nouvelle culture qui va arriver derrière. Donc, ça, c'est pour l'interculture longue. S'il s'agit de plantes de service, plantes de compagne pour le colza, par exemple, moi, je mets de la févrole en particulier, vous en verrez tout à l'heure, de la févrole avec le colza. Donc, on fait deux passages de semis. Comme on fait peu de colza, c'est pas trop une gêne. On sème la févrole le jour J, les J plus 1, on sème le colza. Donc, à deux profondeurs différentes. Et l'objectif recherché dans la févrole, c'est évidemment d'apporter de l'azote au colza. C'est d'occuper un peu le sol, même si ça couvre pas beaucoup. C'est surtout de perturber les insectes. Parce que la févrole perturbe les insectes. Et en fait, vous verrez au stade où on est là, on voit plus de févrole que de colza dans le champ. Donc les insectes, ils ne pensent pas que c'est un champ de colza, ils pensent que c'est un champ de févrole, ça n'intéresse pas. Donc c'est un moyen aussi de dissuader, je dirais que on va feindre, en fait, le mot ne vient plus, mais bon, on va tromper les insectes avec une culture qui n'est pas celle qu'ils recherchent. Et la févrole va également se détruire en courant de l'hiver par le gel, ou s'il ne gèle pas, on va mettre un petit coup de bel cœur, un herbicide qui va la finir et qui va détruire les éventuels coquelicots qui restent dans la parcelle. Donc trois types de couverts qui sont pratiqués après une récolte de blé. Si je prends le cas de l'orge de printemps, bon, escourgeon c'est la même chose, l'orge de printemps, c'est semé dès qu'on peut dans le couvert, soit un couvert qui a été mulché, soit qui a été broyé. On passe un coup de compile avant le semis pour réchauffer un petit peu le sol, et puis le lendemain on sème l'orge. Alors, soit s'il fait beau, on attend que la terre blanchisse, soit il gèle le matin et on sème le matin quand il gèle, ça va tout seul. Et on sème l'orge avec un fractionnement d'azote, donc deux tiers au semis et puis un tiers au stade trois feuilles. Dans la mesure où on fait de l'interculture longue, l'idée c'est garder l'interculture le plus longtemps possible pour qu'elle produise le maximum de biomasse et qu'elle capte le maximum d'azote. Donc la détruire au moment du semis, c'est rien risque, c'est qu'on puisse assécher le sol en matière d'eau, si on manque d'eau au printemps. Maintenant, on a des résultats maintenant chez VVC en particulier. Une orge qui est faite sur un couvert a plus de chances de faire. Elle augmente son potentiel par rapport à une orge qui est faite en terre nue. Hein. À condition de réussir le SPI, bien sûr, une bonne implantation. Hein. Même si le sol n'est pas réchauffé. Ouais. Alors, toujours en graisse tartare, hein, 14-48. 14-48 dans la ligne de SMI. Je te dis, moi, je passe un petit coup de compile pour réchauffer un peu. Et même si c'est du jour au lendemain, ça ne réchauffe pas, mais dans le temps, ça réchauffe plus vite quand même. C'est l'effet albédo. Hein. Et donc, oui, on fait des bonnes orges dans ces conditions-là. Puis en fait, l'orge, elle est très sensible au tassement. Et dans les systèmes conduits en ACS, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de tassement. Donc on a les sols bien structurés. À partir du moment où l'orge est bien implantée, après, l'enracinement est relativement facile. Et si l'enracinement est facile et rapide, elle a tous les atouts pour faire son potentiel. Donc deux tiers d'azote au semis et un tiers en végétation à trois feuilles.
avec toujours la particularité que à l'époque où on est au stade prend feuille de l'orge, il fait sec en général, et que donc la valorisation du deuxième apport est pas forcément évident. Donc je me pose aussi la question, comme pour le blé, de savoir s'il ne faut pas apporter tout l'azote au semis. Alors pour le blé, pas pour le semis, mais au moment de la reprise de végétation. Parce que ma réflexion est la suivante. Dans un sol qui est en bonne activité biologique, les bactéries, l'activité du sol réorganisent en permanence l'azote. Et d'ailleurs, c'est très difficile de suivre le profil azoté d'un sol qui est conduit en ACS. On ne sait pas très bien à quel moment les bactéries vont libérer l'azote. Quand on est en labour, c'est simple, on met de l'azote aujourd'hui, il marche demain. Et après-demain, il n'est plus là. Voilà. Quand on est en ACS, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que l'azote, il est en permanence réorganisé, redistribué dans le profil. Et on observe, par exemple, avec les cultures associées, par exemple, de trèfle dans du colza, qui va bénéficier au blé suivant, que les rendements, si toutefois il n'y a pas de facteur limitant haut sur le blé, que le trèfle apporte un complément de rendement de l'ordre de 10 quintaux hectare et un complément de protéines sur le blé de l'ordre de 1 point. Et pourquoi il apporte un point de protéines en plus? Eh bien, probablement parce que, je dis probablement parce que j'en suis pas sûr, mais c'est des hypothèses qu'on fait, probablement que l'azote contenu dans le sol est réactivé par les bactéries, il est mis à disposition des racines jusqu'à très tard en végétation. Alors que dans un sol labouré, le sol est vide au moment où le blé a besoin d'azote pour faire la protéine. Le sol étant vide, eh ben, il fait moins de protéines. Et on a beau apporter de l'azote sous forme ammonitrate et autres, s'il ne pleut pas pour descendre dans la racine, ça ne sert à rien. Donc c'est probablement une explication, c'est que le sol est vivant. Et comme le sol est vivant, eh bien, les éléments nutritifs se baladent. Même s'il y a peu de solutions en eau dans le sol, l'azote est plus facilement mis à disposition des racines. C'est probablement une explication. Mais je vous dis bien, on n'est pas la preuve, et il y en a peut-être d'autres aussi. Mais c'est une observation qu'on fait, hein, tout simplement. Donc là, on l'a produit de cette manière. Herbicide classique anti-dicote, anti-graminé, et puis un fongicide, un régulateur pour éviter la casse du col de l'épi. Et voilà, c'est parti comme ça. En betterave, c'est un peu plus compliqué, encore que. Donc on va détruire le couvert au mois de décembre, pratiquement. Donc soit par un mulchage, soit par un broyage. Ensuite, on va, suivant l'état du sol, passer ou pas un passage d'actisol. Donc la dent rigide à 15 cm, qui a l'avantage de fissurer un petit peu au moins les 15 premiers centimètres. Parce que ce qu'on observe en acte de conservation, c'est que quand on a des zones de tassement, elles sont plutôt en surface. Elles sont au fond de la ligne de semis, donc c'est 3, 4, 5 cm. Donc de temps en temps, il faut fissurer un peu cette partie-là, donc l'actisol est un outil parfait pour ça. Et puis au printemps, on fait une préparation. Alors, comme je n'ai pas de semoir adapté à disque, je fais une préparation classique, herse rotative, cross-kill et semoir derrière. Voilà, tout simplement. Les colzas, on va implanter ça. Alors, on les plante de plus en plus tôt. Avant, c'était la date fatidique, c'était à partir du 20 août. Maintenant, c'est avant le 10 août. Voilà. Et depuis 2 ans qu'on pratique comme ça, on a de beaux colzas. Parce que plus on sème tôt, plus on a la chance que ça lève. Hein. Qu'on a une pluie qui permet de... Donc soit, là cette année, mes colzas sont derrière un précédent orge de printemps semé à l'automne. Donc l'orge de printemps semé à l'automne a été récoltée à peu près en même temps que les escourgeons. Ce qui a libéré la terre de bonheur. Et on a fait un petit déchômage au carrier pour... embêter un peu les souris, parce que le problème c'est les campagnols hein, quand même quand on est en suivi direct, il faut le dire. Donc un petit passage de travail du sol permet de perturber les galeries et donc les passages de campagnols, ça en élimine pas mal. Derrière vous avez les buses, les renards qui viennent les choper. Et on a semé le 8 août. On a semé le 8 août, donc le 8 août la févrole, le 9 août le colza. Et puis on avait gardé de la fraîcheur en fait dans cette préparation de sol, donc ça a levé tout de suite et on met une belle implantation. Donc pas d'antilimace, rien du tout. Hein. Si on sème de bonne heure, c'est gagné. Oui, je mets du bord, oui, bien sûr, au printemps.
On fait un passage de bord avec, à quelle époque, je ne sais plus très bien, à la reprise de végétation à peu près, hein. Quand le colza monte, quoi. 3 litres. 3 litres, 3 kilos. Alors, je ne sais pas s'il faut en faire plus ou pas. Je sais pas, j'avoue que en colza, j'ai pas de bon rendement en colza. Parce que cette année, je fais 36 quintaux. Je tape rarement sur 40 quintaux et plus. Si j'ai une parcelle, c'était à 47, mais c'est une parcelle. Les autres sont un rendement inférieur et je sais pas pourquoi. Donc je me désintéresse un peu du colza. Enfin, pour moi, c'est une culture compliquée parce qu'elle est 11 mois en terre. Donc c'est 11 mois sujet à des parasites. C'est 11 mois d'emmerde. Et puis quand on regarde bien, le colza, c'est une surface qui est mobilisée 11 mois pour produire 3 tonnes 5. Quand on fait de la betterave, on produit 90 tonnes, 100 tonnes. Quand on fait du blé, on va produire 10 tonnes, 9-10 tonnes. Et puis demain, on fera de la cive qui va produire 30-35 tonnes de matière totale. Et puis on fera encore une culture derrière. Donc je dirais qu'en colza, le sol est mal valorisé en quelque sorte. Voilà. Mais ça, c'est une réflexion personnelle. Hein. Bon, quand il vaut 400 euros la tonne, comme cette année, on ne regarde pas trop. Quand il vaut que 300 euros, bon. Même si on fait 4 tonnes, 300 euros, ça boucle difficilement quand même. Surtout que c'est une culture à forte charge. Il y a beaucoup de charges variables là-dessus. Si on parle charge sur du blé, on est à 550 euros de charge par hectare, donc avec la semence certifiée. Le poste le plus important en dehors de la semence, c'est évidemment les herbicides. Les charges de mécanisation en main-d'œuvre, c'est simple. Chez nous, c'est 450 euros de l'hectare, fioul compris. Et nous, on fait tout faire par main-d'œuvre salariée. Donc, ça, c'est. Alors, notre particularité, c'est qu'on facture toutes les cultures au même prix. C'est-à-dire qu'on prend la surface de chaque exploitation, on multiplie par 450. Que ce soit du blé, des betteraves, du chanvre qui n'a pas de charge, mais il y a des charges de mécanisation de récolte. Et donc on a dit, comme tous les exploitants n'ont pas forcément les mêmes systèmes d'exploitation, les mêmes cultures, on a dit on fait tout pareil, on ne fait pas de détails. On pourrait dire la moissonneuse-batteuse, on ne facture que les hectares récoltés comme un entrepreneur, ben non. Les hectares de chanvre qui ne sont pas récoltés avec notre moissonneuse-batteuse, les hectares de betterave, les hectares de luzerne qui ne sont pas récoltés par notre moissonneuse-batteuse, ben on facture quand même la moissonneuse-batteuse. D'accord? Donc. Alors moi qui fais plus de betteraves et de chanvre que les autres, en quelque sorte, je pourrais dire bah, je suis désavantagé, parce que moi je paye des hectares de moissonneuse-batteuse alors que je ne l'utilise pas. Mais au fond, quand je fais des betteraves, j'utilise plus de tracteurs, plus de manœuvres. Quand je fais du chanvre, c'est pareil. Bon, grosso modo. Bon. Vous savez, quand on travaille en groupe comme ça, il ne faut pas chercher la petite bête. Il faut se dire que dans le groupe, tout le monde gagne. Il y en a qui gagnent plus que d'autres, mais l'important c'est que tout le monde gagne. Voilà. Et donc on va pas chercher au-delà parce qu'après on va faire des comptes d'apothicaire. La seule question qu'on n'a jamais résolue mais qu'on n'a pas eu jusqu'à maintenant à se poser, c'est de se dire, la moissonneuse-batteuse, elle a récolté 2 jours chez moi et puis elle n'a pas encore récolté chez les autres et il pleut pendant 15 jours. Donc les autres ont des blés dégradés et moi j'ai des bons blés. Est-ce qu'on fait une caisse de péréquation? Bon, jusqu'à maintenant on n'a pas eu à le faire. Bon, c'est vrai que les étés sont de plus en plus secs, donc on a moins de soucis de ce côté-là, mais ça peut arriver. Hein. On se dit que bah, si le cas arrive, bah, on va régler le problème comme ça. Donc on ne s'interdit rien, on va dire ça comme ça. Et vous allez me dire, et l'assolement commun. On se pose aujourd'hui la question de l'assolement commun avec le projet de méthanisation. Mais on se dit, l'assolement commun, c'est quand même un non-retour en arrière. Hein. C'est après, c'est compliqué. C'est déjà compliqué à gérer parce que. On vend à plusieurs coopératives, chacun tient à garder ses coopératives. Donc, quelle quantité on vend à Vivesia, quelle quantité on vend à Novagrain, quelle quantité on vend à je sais pas qui, à la COP d'Esternay par exemple, ça complique un peu les comptes. Et puis derrière, pareil, les appros, on les achète à nos COP, donc quelle quantité d'appros on achète à quelle COP? On va avoir des problèmes de marque, également de produits, parce que chaque coopérative a ses gammes.
Donc c'est tout est un peu compliqué. Donc on se dit l'assommoir commun pour l'instant, bon, c'est pas l'urgence. C'est vrai que ça nous permettrait de nous alléger un souci. Par exemple, là, on a un des agriculteurs d'un groupe qui a semé que la moitié de ses blés, il lui reste 17 hectares à faire, il en avait 40. Tous les autres ont fini. Supposons qu'on ne puisse pas entrer dans les champs avant 15 jours et qu'il perde du potentiel de rendement, voilà, donc on aurait dû lui en semer plus, etc. Mais à ce moment-là, on déplace le matériel sans arrêt. Alors que cette année, comme pour la moisson, on a dit bon, allez, on sème tout ici, on sème tout là-bas, et puis on se déplacera après. Parce que le matériel pour semer, c'est le semoir, le télescopique pour charger le semoir, le plateau pour charger les semences. Donc c'est toujours la logistique. Donc il faut sans arrêt des déplacements sur la route, c'est compliqué. Donc on évite de le faire. Donc la semence en commun, les enfants le feront hein, probablement, mais pour l'instant, on n'est pas, on ne sait pas quelle est la suite encore. Mais on y réfléchit. Si vous voulez plus de détails sur les marges, bon, en gros, allez, en blé, on fait 9 tonnes, je prends la récolte 2019, hein, 9 tonnes 4 à 170 euros de moyenne de vente, puisque moi je stocke tout, donc j'ai 17 euros de majoration bimensuelle par Vivesia. Je vends tout en prix ferme, sauf la partie semence qui est payée au prix moyen. Donc en prix ferme, je travaille avec Piloter sa ferme, qui nous donne des conseils, avertissements et autres. Alors, je ne suis pas un érudit du marché à terme et tout ça, et ça m'énerve. Je me dis que ma coop doit être beaucoup plus capable que moi de le faire. Donc moi, je m'en tiens à faire un prix moyen par mes propres ventes, en regardant un petit peu les indicateurs. Hein. Donc le blé, les pois, le colza sont vendus, et les orges sont vendus en prix de marché, donc au cours du jour. Et puis tout le reste, naturellement, est vendu au prix moyen, parce que soit la luzerne, des betteraves, là, on n'a pas le choix. Et grosso modo, quand je regarde les analyses de groupe du CDER, bon, je suis pas mal placé en prix. Alors, il faut dire que là-dedans, j'ai beaucoup de contrats, moi. Les contrats de semences sont payés plus cher. J'ai des contrats Luharmonie qui sont payés plus cher. Demain, j'aurai des contrats blé durable avec Vivesia qui seront payés plus cher. Mais grosso modo, bon, on a une moyenne de vente qui est pas mal. Et ça nous amène des marges en blé qui sont de l'ordre de 1000 euros, grosso modo à l'hectare, qui est de la meilleure marge de l'exploitation d'ailleurs, en dehors du raisin de Champagne, bien sûr. Une marge très intéressante aussi, c'est le chanvre, parce que quand on cumule la vente de paille, qui est payée à peu près 125 euros la tonne, multiplié par 7 tonnes, plus la vente de chènevis, bon, qui a subi un peu un creux de vague, là, mais qui remonte, qui tourne autour de 600 euros le quintal, 10 quintaux, ça fait 600 euros d'un côté, ça fait grosso modo 900 à 1000 euros de l'autre. On arrive à plus de 1500 euros de chiffre d'affaires avec très peu de charges. La principale charge, c'est la semence qui est vendue beaucoup, beaucoup trop cher pour ce que c'est, pour la recherche qu'il y a dessus. Mais là, c'est un problème de manque de concurrence, évidemment. La semence de chanvre, ça vaut 250 euros de l'hectare. Sinon, il n'y a aucun pesticide, donc il y a de l'engrais, évidemment, PK, un peu d'azote, 100 unités. Et donc, c'est une bonne marge. Le chanvre fait une très bonne marge brute. Dans les bonnes marges brutes, mais très irrégulières, il y a les graminées fétuc rouge. Il m'est arrivé de faire 18 quintaux de fétuc rouge, et il m'est aussi arrivé d'en faire 8. Donc, effectivement, vous voyez, c'est payé 135 à 140 euros du quintal, hein, donc si on fait 18 quintaux, là on crève les plafonds, il y a très peu de charges sur les graminées, à part la semence qu'on sème une fois pour deux ans, et il y a pratiquement pas de fongicide, il y a un régulateur, sans unité d'azote, donc c'est pas très, très important. Une particularité quand même de la fétuque rouge, pour quelqu'un qui est un ACS, et qui est capable de semer du blé de luzerne sans aucun travail du sol. Pour semer une culture après une fétuque, ça va vous faire sourire, il faut passer au rotavator. Donc c'est 3 hectares, c'est 3 km heure, on a un rota de 4 mètres. 3 km heure, c'est... j'ai plus le chiffre en tête, mais grosso modo, c'est 30 litres de fioul à l'hectare. Parce que si vous ne faites pas ça, elle repousse. Il faut couper le plateau de talage. Et comme on le fait en conditions sèches,
Les limes du rotavator, 17 hectares et font 2 ans. Donc, le fioul, la ferraille et la poussière en sus. Mais bon, on n'a pas le choix parce que tout semi-direct que j'ai fait à la préfétuque a été un fiasco. Enfin, un fiasco. Ça a été, on est emmerdé avec la repousse de fétuque qui crève pas. C'est une plante extrêmement colonisante et qui résiste à tous les antigraminés. Même au glyphosate. Au glyphosate, il faut taper des doses extraordinaires pour le détruire. Ce qui permettrait d'ailleurs peut-être de désherber de la fétuque avec du glyphosate. Ce n'est pas idiot. Mais c'est interdit. La luzerne, si elle veut pousser vers l'automne, ça ne me dérange pas. Mais au printemps, elle disparaît. Hein. J'ai un voisin qui l'a fait cette année, là, qui s'essaie au semi-direct. Ben, je pense qu'il n'a pas récolté beaucoup de quintaux de blé. Hein. Et la luzerne a pris le dessus. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Jean-Luc Forlert nous dit, ne jouez pas à ça, parce que si vous avez un printemps humide, vous ne pourrez pas faire crever votre luzerne. Et vous récoltez de la luzerne et pas du blé. Quoi. Donc, moi, les couverts semi-permanents, pour l'instant, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans, c'est trop risqué, je ne maîtrise pas assez. Je pense qu'il faut. Le couvert, il a, j'ai dit, il a plusieurs fonctions, c'est l'azote, la structure du sol et la couverture du sol, hein, voire un peu le trouble des insectes pour les cultures qui y sont sensibles. Mais faut pas chercher à tirer trop sur la ficelle. Donc, moi, la luzerne, le blé de luzerne, au mois de mars, quand on va désherber, je mets beaucoup d'alliés dedans. Je vais mettre 35 grammes d'alliés et je vais la claquer. Hein. Et puis si elle repousse, elle remonte la tête, je vais repasser un coup de 4D pour la faire repasser sous le blé. Si elle passe par-dessus, c'est foutu. C'est moins vrai pour le trèfle blanc nain qui est moins colonisant, on va dire ça comme ça, mais la luzerne, c'est surtout une 3 ans. Une luzerne de 3 ans. Moi j'ai des parcelles, tiens, j'ai une parcelle dans laquelle j'ai fait un chemin pour justement faire une zone de passage. La dernière culture, c'était de la luzerne. Et elle date de 10 ans. J'ai toujours de la luzerne dans le chemin. Ça crève pas. Extraordinaire. Ça veut dire que les plantes ont des potentiels et des capacités qu'on ignore encore. Hein. Bah, j'ai pas fait de semi-direct en coup de tournesol. Parce que je suis pas équipé de strip-till. Donc, il y a un coup d'actisol et derrière un coup de compil. Et on sème au semoir à betterave. Bon, cette année, le tournesol, je l'ai fait derrière une luzerne de 3 ans qui a été paralysée par les nématodes, ce qui est rarement vu d'ailleurs. J'ai une analyse de nématodes de laboratoire qui montre que la luzerne est colonisée par les nématodes, donc on ne l'a pas laissée parce qu'elle n'a rien produit. Et donc, comme c'était au mois de fin avril, ça, on a décidé de faire un tournesol, quoi. Donc on l'a détruit glyphosate, la luzerne. On a passé un coup d'actisol et un coup de compil derrière. Et on a semé comme ça. Tournesol, il a fait 25 gâteaux hectares. Bon. Il a fait 25 gâteaux pour la bonne raison qu'il y a une partie où il a levé tout de suite, parce qu'il faisait sec, hein, cette époque-là, il faut se rappeler du contexte. Et une partie où il a levé un mois après. Donc là où il a levé un mois après, il est envahi par les chénopodes. Que le désherbage n'a pas été suffisant pour le maintenir propre jusqu'à ce qu'il couvre. Donc bah là où il y a les chénopodes, il n'y avait pas de tournesol. Donc dans les parties qui ont levé tout de suite, on est à plus de 30 quintaux. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc la moyenne de la parcelle, c'est 25. Hein. Voilà. Tu un betterave? Une fois que tu as implanté, derrière c'est le désherbage fractionné, 4 passages, 5 passages, ça dépend. Et là c'est du doigté parce que les désherbages betteraves sont, comment dire, très, très conditionnés. La Russie était très conditionnée aux conditions de traitement, d'hygrométrie en particulier. Donc on traite le matin de bonne heure, 6 h du matin, il faut de l'hygrométrie 80%. Et puis c'est des petites doses qu'on répète. Tous les 8 jours à peu près. Donc les 3 premiers traitements, pratiquement, bon, au moins les 2 premiers, c'est les 2 traitements à 8 jours d'intervalle. Et sur le béthanol, faut taper des doses quand même assez importantes, surtout s'il fait sec. Enfin, ce qui est herbicide de contact. Sur les herbicides racinaires, bah, s'il fait sec, ça ne fonctionne pas bien, comme tous les herbicides racinaires.
Après, si on voit que tout a bien crevé, ben, on peut attendre une quinzaine de jours avant de faire le troisième. Parce qu'en général, on a deux levées quoi, dans les adventices en betterave. Donc la première levée, il faut la contrôler très tôt, voire même avant que les betteraves ne lèvent. Il ne faut pas s'occuper de la levée des betteraves. Et si on maîtrise la première levée, après il y a une deuxième levée 15 jours plus tard, qu'on va remaîtriser par un double herbicide à 8 jours d'intervalle. Après, on traite les graminées, donc un Lexocet. Et puis après, bah, on termine avec un Centium, qui est un herbicide assez puissant, notamment sur Kénopode. Parce que finalement, ce que j'observe moi, c'est que jusqu'à maintenant, je réussissais pas bien, tant que j'avais pas eu le jamais, je réussissais mal mes couverts. Et quand vous avez des couverts mal réussis, ce qui pousse dans les couverts, c'est les Kénopodes. Et les Kénopodes, c'est un cycle court, donc ça va rapidement à graines. Et donc la graine de Kénopode que vous avez laissé produire en fin d'été, vous la retrouvez au printemps. Et ça lève énormément au printemps. Donc détruire les Kénopodes dans les betteraves, c'est compliqué parce que c'est une plante qui est très envahissante. Et dès l'instant où elle a dépassé le stade cotylédon, on a du mal à la détruire avec les herbicides. Donc c'est pour ça qu'on tape de façon assez rapprochée pour contrôler les levées échelonnées de Kénopodes. Sinon, on n'a pas vraiment d'adventices qui nous empoisonnent, à part les graminées résistantes, les raigras en particulier. En dicote, on n'a pas grand-chose qui nous enquiquine. Les Kénopodes, oui, moi j'ai les Kénopodes partout. Et ça, c'est lié au fait que les années précédentes, j'avais pas de bon couvert. Et que donc l'effet herbicide des couverts était insuffisant. Il était voire même néfaste, puisqu'il multipliait. Quand on déchaume, on détruit les Kénopodes. Là, comme on ne déchaume pas, ben, on va retrouver les graines, évidemment, à l'entrée de l'hiver. Et ça, c'est emmerdant. Une graminée, dans la mesure où moi j'ai une graminée cultivée tous les deux ans, qu'est-ce que va m'apporter une graminée en plus? À part être un réservoir à pucerons, à rouille, parce qu'en général, graminée, on met de l'avoine, des choses comme ça. Je préfère mettre des dicotes. Et si, alors par exemple dans les certaines cultures courtes, surtout pas de graminées, parce que si je fais un petit glyphosate pour détruire les raigras, si j'ai des graminées, je déglingue. Voilà. Donc je ne mets pas de graminées. C'est assez controversé, hein. Il y en a qui pensent qu'il faut mettre des graminées. La graminée, elle a quoi comme intérêt? À part qu'elle a un système racinaire fasciculé qui va meublir la surface. Mais moi j'ai la facélie qui fait ça. La moutarde un peu. Donc la graminée ne m'apporte pas d'azote. Elle couvre mal le sol. Faut toujours pareil, hein. Je fais un couvert pourquoi? Qu'est-ce que je recherche? Moi j'ai dit je recherche trois choses. Je recherche la couverture totale du sol pour être concurrent des adventices. On l'a parfaitement réussi l'an dernier. Et d'ailleurs c'est marrant parce que les chanvres ont été semés cette année après les couverts de 5 tonnes, ils étaient propres. Il n'y a pas de Kénopodes dedans. C'est bien que le couvert a rempli son rôle de désherbage. Deuxième fonction du couvert, l'azote. Ce n'est pas les graminées qui vont amener de l'azote. Ils vont m'en bouffer. Et troisième objet qu'on recherche, c'est la structuration du sol. Est-ce que les graminées structurent le sol? Réponse non. Donc, sauf s'il y avait synergie entre les graminées et les dicotes, quel intérêt de mettre des graminées? L'avoine, elle a juste un avantage, c'est que c'est une graine poilue et qu'elle lie le mélange. Elle va éviter entre les grosses graines et les petites graines de se démélanger. On va dire ça comme ça. Mais bon, c'est mon point de vue, hein. Je ne sais pas si je détiens la vérité, hein. Parce que là, on apprend tous les jours. Peut-être que demain, je mettrai les graminées pour d'autres raisons, mais pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt. Oui, j'ai des dégâts de sanglier, et de plus en plus. Alors, quand on est en agriculture-conservation des sols, on en a plus que les voisins. Pourquoi? Parce que les sangliers, ils cherchent les vers de terre. Et donc, ils font un travail de... Alors, ils ne font pas des trous, mais ils font, je ne sais plus comment on appelle ça, il y a un nom, les chasseurs utilisent ce terme. En fait, ils foutent des coups de museau partout. Donc, si tu as fait un herbicide, et ben, à la place des coups de museau, tu as les graminées qui lèvent. Et puis, c'est dégueulasse. Alors, de temps en temps, ils vont faire une bauge, mais c'est assez rare.
Mais donc, ils vont faire ces coups de museau partout et ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on reste comme ça, bien entendu. Moi, je passe un coup de rouleau au printemps pour retasser un petit peu les buts. Mais ça cache pas la misère. Et puis, l'été, bah, si c'est trop important, bah, on va faire un déchômage après la récolte. Si c'est pas important, ça va s'effacer tout seul. Mais le sanglier, c'est un vrai souci. Donc, moi, j'ai beaucoup de zones forestières, en limite de mes parcelles. Et ben, on met des clôtures. Et les clôtures, ben, c'est de l'entretien. Bon, c'est du boulot à les monter. C'est de l'entretien parce qu'il faut nettoyer sous la clôture pour qu'il n'y ait pas d'air qui touche le fil. Sinon, ça fait une mise à la terre. Et puis malgré les clôtures, ben, ils passent. Parce que si les petits passent, la mère, elle suit. Hein, qu'elle se fasse piquer ou pas. Et une fois qu'ils sont dans le champ, ils sont enfermés dans le champ, donc ils ne sortent plus. C'est encore pire. Bon, j'ai des chasseurs qui montent des miradors. Ces abrutis-là, ils me tuent autant de renards que qui sont liés. Alors moi, je gueule parce que les renards, je vais les préserver. Parce que le renard, c'est un animal merveilleux. Ça vous détruit, une population de souris sans faire de dégâts. De même que les buses, enfin tous les rapaces, les hérons, de plus en plus de hérons. Je fiche là par terre. De plus en plus de hérons. Donc tout ça, c'est des prédateurs. Alors c'est marrant parce que quand j'ai commencé le semis direct, on n'avait pas tous ces animaux. Et donc j'ai eu, alors en 2017, j'ai eu une invasion de campagnols, mais comme jamais j'ai eu. On était malade. Il y avait des hérons partout dans les blés. Puis maintenant, alors on me dit que cette année, c'est une forte année campagnol. Bon, moi, je n'ai pas plus que ça. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Hein. Mais on y fait plutôt attention. Parce qu'au fond, ça se régule tout seul. Quoi. Et tous les rapaces qu'on a, les renards, etc., bah, ça permet de réguler la population. Et là encore, on se rend compte que quand on préserve ses auxiliaires, hein, bah, finalement, les choses ne vont pas si mal que ça. Donc, il faut être tolérant, il faut se dire qu'on accepte d'avoir un peu de limaces, qu'on accepte d'avoir un peu de sanglier moins, non, mais qu'on accepte d'avoir des renards. Alors, des renards, certainement qu'ils bouffent aussi du petit gibier, hein, forcément. Mais tout ça participe à la biodiversité. Et je pense que. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette technique, c'est que finalement, on évolue avec son sol et avec son environnement. Et qu'on observe des trucs qu'on ne voyait pas avant. Cette année, on a observé dans les récoltes de blé des sauterelles vertes, des grosses sauterelles vertes. J'en ai pris en photo, d'ailleurs, j'en voyais à ma petite fille. Moi, je voyais ça quand j'étais gamin. Dans la benne de blé, on avait des grosses sauterelles vertes, et puis pendant 50 ans, on n'en a plus vu. Et ça revient. C'est donc que s'ils reviennent, c'est qu'ils ont trouvé leur compte, c'est qu'on est probablement moins agressif à l'égard de l'environnement. Et c'est pour ça que je reviens sur mon propos de ce matin, je dis que quand on pratique l'électroconservation et qu'on le fait en harmonie avec la nature et en essayant de comprendre les choses, eh bien, tous les indicateurs se mettent au vert. C'est-à-dire qu'on produit plus, on produit en respectant mieux l'environnement, on respecte la faune auxiliaire, mais il faut que tout ça vive ensemble, quoi. Et ce que j'ai appris quand j'étais agriculteur, et notamment au CETA, je me rappelle, alors il commençait avec un agriculteur, il me parlait d'un produit contre les souris, il me dit tiens, tu mets ça, il dit tu vois les souris qui arrivent derrière, elles sautent du trou et elles tombent raides mortes. Bon, on désherbait des blés avec du DM68, je me rappelle, qui était un espèce de colorant nitré, qu'on mélangeait avec la solution azotée, tout était cramé derrière, et puis après le blé repartait, et on faisait 75 tours, on était content. Mais tout cramait, donc là il n'y avait pas de problème de campagnol, il n'y avait pas de problème de limace, il n'y avait rien, mais il n'y avait plus de lièvre non plus, puis il n'y avait plus rien. Et donc on a fait une politique de terre brûlée pendant ces années, ces 30 glorieuses, là. Ce qui d'ailleurs nous est reproché aujourd'hui, alors que ce n'est plus le cas. Et maintenant, on se rend compte que avec ce système de culture, on réapprend la nature. Et que finalement, c'est pour ça que je le dis avec insistance, il n'y a pas incompatibilité, il y a même compatibilité forte entre la culture productive et l'environnement. Et pour revenir au carbone, je dirais que plus on produit de manière intensive, et plus on va produire de carbone renouvelable, et plus on se substitue au pétrole. Et donc ça, c'est une chance. Et ça, il faut le faire comprendre. Hein. Faut le faire comprendre. Voilà pour les auxiliaires. Donc tout ça se passe dans le temps, mais
Autant la période de transition, on va peut-être la mesurer en termes de 3-4 années, autant la transition environnementale, c'est beaucoup plus long. Hein. C'est beaucoup plus long parce que moi, ce qui manque sur nos fermes, là, pour l'instant, c'est des haies. On n'a pas de haies, on n'a pas de bandes enherbées, on n'a pas d'arbustes ou des petits massifs, quoi, pas plus que ça. Parce qu'on a fait un environnement de 94 et à l'époque, on ne se souciait pas de ces questions-là, ou les grandes parcelles. Et donc, on a fait des open fields qui sont très agréables à travailler, mais où il n'y a plus de verdure. Quoi. Voilà. Alors, quand on pratique la CS, il y a du vert tout le temps. Donc, c'est déjà un gros progrès. Ce sont seulement les chasseurs, ils gueulent parce qu'ils ne peuvent pas marcher dans les couverts. Parce que ça tient dans les bottes. Mais c'est plutôt bon signe. Quoi. Et on voit, évidemment, on voit un tas de gibier hein, qu'on ne voyait plus avant, dont les sangliers, évidemment. Donc, je pense qu'on est... voilà, on est sur la bonne voie, on va dire ça comme ça. Mais bon, on verra après quel est l'impact de la méthanisation sur l'évolution de tout ça, parce qu'il y a encore des choses qu'il faut observer et apprendre. C'est pas, on ne peut pas dire aujourd'hui que ça va se passer de telle et telle manière et qu'il ne faudra pas aussi corriger le tir de temps en temps. Ben, oui, je me pose la question, je fais que me poser la question. Parce qu'une plantation, ça coûte cher. C'est toujours un peu handicapant en termes de facilité de travail, parce que nous, en ACS, on travaille les parcelles dans tous les sens. On fait des biais, on fait... Donc, tant qu'on travaille en long avec le GPS, ça va bien. On peut mettre une ligne d'arbre dans le milieu d'une parcelle, et on va dire, on va cultiver de chaque côté. Si on travaille en biais, on coupe la parcelle en deux. Donc ça, c'est plus handicapant. Alors après, moi, je me dis que plutôt que mettre des haies, on faudrait déjà les mettre en bordure de parcelle et non pas au milieu. Mais ça, c'est possible. Ou peut-être mieux mettre des bandes enherbées, parce que, par exemple, si on passe un coup de herse à paille, on va traverser la bande enherbée, encore qu'il ne faut pas le faire, parce qu'on va déranger le gibier, sans enlever l'outil, quoi, c'est ça. Bon. Maintenant, c'est... Oui, probablement, il faut le faire. Hein, je suis conscient qu'il faut le faire. Alors, sur cette parcelle, on est sur un colza d'hiver qui est un mélange de quatre variétés donc je vous dirai pas les noms parce que ça a beaucoup d'importance. Je prends les variétés les plus en vogue du moment et je les mélange hein, je fais ça depuis 3-4 ans on a associé à ce colza une févrole dont le but, alors c'est une plante de service hein, dont le but c'est évidemment d'apporter de l'azote au colza par sa capacité à synthétiser l'azote de l'air. Elle ne va pas couvrir beaucoup parce que la févrole, par définition, ne couvre pas. Alors ici, on a semé 100 kg de graines de févrole qui étaient un peu bruchées, c'est de la graine de consommation. Un peu bruchées, donc on doit avoir à peu près 15 pieds au mètre carré qui sont levés, c'est l'objectif recherché. Le colza, lui, il est semé à 45 grains au mètre carré. Tout ça est semé en deux passages, donc le premier passage, au 750 John Deere, le deuxième passage le colza avec le même semoir, donc à une profondeur évidemment inférieure, suivi d'un roulage au rouleau Cambridge. Ici la préparation de sol, le précédent c'est une orge de printemps qui a été semée à l'automne au mois de novembre 2019, récoltée début juillet, qui a produit 71 quintaux hectares. Et on a passé un coup de carrier, Valerstat, donc uniquement pour répartir un peu les pailles en surface. Alors c'est, notre carrier, il est équipé avec les nouveaux disques cross, cross cutter, pardon, donc le disque alvéolé, qui travaille très très superficiellement, mais qui tient un peu mieux la surface du sol que le disque classique. Mais qui par contre n'a pas de capacité de pénétration. Donc l'idée c'est de foisonner un peu la paille, la faire évoluer, et puis de surtout gêner le développement des campagnols, puisque en semi-direct c'est un peu la bête noire, les campagnols, donc on y fait attention. Donc depuis le passage du carrier, il y a eu un Cambridge, toujours, on roule systématiquement, nous après chaque passage d'outils. Et puis, donc après le semis qui a eu lieu le 8 août pour la févrole et le 9 août pour le colza, eh bien, on a repassé un coup de rouleau Cambridge également. On a fait un désherbage au Noval 1,5 litre après le semis.
Et ensuite, on est revenu, parce qu'évidemment, derrière de l'orge, on a toujours de la repousse. Donc, on n'a pas eu d'eau de l'été, mais il y a eu un orage à un moment donné vers le 15 août de 15 mm qui a fait lever évidemment énormément de repousse d'orge. Donc, à ce moment-là, on a passé, alors ici, c'est des parcelles où il y a quand même un peu de régras résistant. Donc, par précaution, on a passé un exocet antigraminé à base de clomédine à 0,5 hectare avec 1 litre d'huile. Et d'expérience, il faut, et je le vois aujourd'hui chez des voisins qui n'ont pas pris la précaution de désherber très tôt contre les orges, les repousses d'orge étouffent le colza complètement. Donc ça, il faut faire attention. Il faut désherber très tôt, dès les premières repousses d'orge, il faut faire un passage, sinon l'orge prend le dessus sur le colza. Et après, c'est foutu, le colza ne pousse plus. Parce que l'orge a un inconvénient, c'est qu'il est assez allélopathique à l'égard du colza. C'est un des mauvais précédents à colza. Donc c'est notre seule parcelle de colza, ici 15 hectares 30. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la méthanisation, on s'oriente vers des cives d'hiver. Et donc ces cives vont remplacer évidemment pratiquement tout le colza. Pourtant, on a l'usine Cepol au Mériau qui est à 9 km d'ici. Et qui pourrait présenter effectivement un débouché intéressant. Et voilà, c'est un choix. On ne peut pas tout faire. Donc ce colza, à l'heure actuelle, n'a eu aucun insecticide. Et comme il s'est développé très tôt, qu'il a une très bonne croissance, voyez-vous, on est aujourd'hui à pratiquement 10 feuilles. Il est bien poussant, mais pas suffisamment pour nécessiter un régulateur de croissance. Donc on n'en a pas fait. Et pour l'instant, bah, tout se présente bien. La févrole, elle a levé un peu plus tard que le colza parce qu'en terre est plus profond et il lui faut plus d'eau. Mais elle est en train de rattraper. Donc elle est en train de fleurir. Vous voyez les premiers pieds comme ça là-bas sont en train de fleurir. Donc une févrole qui fleurit, elle est plus sensible au gel. Donc quand on aura du gel cet hiver, j'espère qu'on en aura, eh bien elle va disparaître naturellement. Ce qui est prévu de faire ici, évidemment, classique sur du colza, c'est qu'on va passer un kerb au mois de novembre pour détruire les graminées. Il y a déjà des repousses de régras. Donc détruire les graminées qui sont en place. Que l'idée derrière un colza, c'est d'avoir un champ propre de graminées, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc on commence à avoir des champs pas très propres en graminées après du kerb et ça pose la question de la résistance au kerb, qu'on n'a pas encore... avéré, mais bon, qui pourrait être probable. Donc voilà, ce colza sera suivi évidemment d'un blé. Hein, et alors, j'ai pas fait de trèfle blanc nain dedans parce que le trèfle se mélange très mal à la graine de colza et en même temps, c'est très difficile de réussir l'implantation. Donc, ce qu'il est probable que nous allons faire, c'est au mois de février, on va semer soit au semoir à disque classique. Soit à la volée, on va semer du trèfle blanc avant la reprise de végétation, à la faveur d'une pluie. Parce que d'après Jean-Luc Forler, ça a autant de chances de réussir que de le semer à l'automne. C'est plus souple et ça va très vite, hein, puisque là on va semer évidemment soit avec un DP12 à rampe, soit avec un semoir 4 mètres à disque, un vieux semoir avec lequel on semait des luzernes autrefois. On va semer là-dedans donc 2 ou 3 kg de trèfle blanc nain qui servira lui de couvert au blé et dont l'objectif c'est d'apporter de la protéine au blé grâce à sa capacité à capter l'azote de l'air et à le transformer en azote nitrique et ammoniacal. Et bon voilà, c'est comme ça qu'on voit un peu les choses. Par principe, nous on détruit toujours les couverts dans le blé au mois de mars. Parce que, comme le dit souvent Jean-Luc, et il a raison, ce qu'on cultive c'est du blé, c'est pas du trèfle. Donc c'est gentil d'avoir un beau couvert, mais c'est pas ça qu'on récolte et c'est pas ça qu'on va monnayer. Donc c'est le blé. Et si on veut pas faire le tort au blé, ben il faut être sage et il faut être capable de réguler le trèfle suffisamment, ou la luzerne d'ailleurs, si c'est un président de luzerne, pour ne pas handicaper, parce qu'on a des essais quand même, depuis le temps qu'on travaille là-dessus, on a des essais qui sont aux antipodes. On a des résultats, si l'eau n'est pas facteur limitant, où on va gagner 10 quintaux en blé et un point de protéines avec le trèfle, puis on a des exemples inverses. Des exemples où on gagne toujours en protéines, mais on perd en rendement, et on perd énormément en rendement. Donc l'objectif, c'est pas de perdre du rendement du blé. Hein. Donc on ne prend pas le risque, on détruit.
Oh, bon, on va mettre 30 grammes d'allier hein, sur le trèfle, comme sur de la luzerne d'ailleurs. Et éventuellement, si c'est pas suffisant, on va repasser avec une hormone à 2,4-D ou MCPA. Hein. Bon, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire là-dessus. On peut arracher un pied de colza pour voir un petit peu l'allure de son pivot. Bon, je crois que j'en ai cassé un bout. Je pense que pour l'instant, il est bien parti. Hein. Pas de larves, des pétioles très sains. Hein. Je vous dis, hein, aucun traitement insecticide. Mes voisins l'ont déjà fait deux. Hein. Donc ça, sur le plan environnemental, c'est super. Donc un bon profil racinaire pour l'instant. Donc un pivot, vous voyez, qui est déjà, alors j'en ai coupé un bout, mais bon, on peut imaginer qu'il est là. Ça, c'est tout à fait satisfaisant. Alors, ici, il y a 20 ans de semi-direct sous couvert végétal, enfin, de semi-direct, hein, pour 20 ans sous couvert végétal. Donc on commence à avoir des structures de sol qui sont extrêmement intéressantes. Ici, ce sont de mauvaises terres, hein, vous voyez la pente, beaucoup d'érosion. Quand on a repris cette ferme en 96, l'agriculteur labourait. Donc l'année où on a repris, il y avait des fossés qui avaient été creusés par l'eau. Hein. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer sur la route qui longe la ferme, la DDT a creusé des fossés pour recueillir la terre qui descendait par les orages. Et vous avez dû voir en arrivant un colza qui est mal implanté là sur une butte. Le gars, il l'a semé deux fois. Il a labouré l'année dernière. Et cette année, il y a eu un orage, je ne sais plus quand, au mois de septembre. Bon, ben, on a vu les coulées de terre dans le fossé. Et ici, chez moi, on n'a pas vu de terre dans les fossés depuis qu'on a repris. Jamais, jamais, jamais. Jamais on a un écoulement de terre. La seule chose qui descend ici, c'est les balles de chanvre. Quand on fait du chanvre, vous voyez, elles traversent la route. Là. Donc ça, il faut y faire gaffe. Mais donc, plus d'érosion, ou très très peu d'érosion. Et là-haut, vous voyez, ce qui est blanc, ben, le colza ne pousse pas. Hein. Alors, il y a un peu l'aspect forêt, mais il n'y a plus de terre du tout. Il n'y a plus de terre du tout. La parcelle que vous voyez là-bas, c'est un couvert qui est derrière un blé. C'est une parcelle, le potentiel de rendement, il est moins 20% par rapport au reste, parce qu'il n'y a plus de terre. Il y a tellement de pente que l'agriculteur d'avant avait fait les talus hein, pour minimiser la pente. Il n'y a plus de terre, on ne récolte rien là-dedans. Et là, vous voyez, il y a quand même du couvert. Ça recommence à pousser 20 ans après. Hein. Mais vraiment, il faut de la persévérance. Donc naturellement, ce qu'on voit dans une parcelle comme ça, c'est l'abondance de terricules de vers de terre. Il y en a partout. Hein. Donc on imagine que l'activité biologique est intense, évidemment. La paille d'orge qui était abondante, parce que 71% de paille, c'est quand même pas rien, on la voit plus, alors qu'elle n'a pas été enfouie. Donc elle est déjà redescendue dans le profil. Hein, vous voyez, alors qu'il n'y a pas eu d'eau d'été, donc on n'a pas vu d'air de terre de tout l'été. Il y a de l'eau depuis seulement 3 semaines, et la paille a disparu. C'est quand même assez remarquable. Quoi. Si on parle de la couleur de la terre, parce qu'évidemment, ça ce sont des terres blanches, mais des mauvaises terres blanches de Champagne, ce n'est pas des terres sur craie. Bon, vous voyez, le haut c'est tout blanc. Hein. Eh bien, là on ne voit pas parce qu'il y a une couverture de colza, mais la terre l'a déjà recolorée. Elle est recolorée ici. Donc on a des croissances beaucoup plus importantes et rapides parce que l'effet albédo est meilleur. Donc moins de réfléchissement de la lumière. Et ça, c'est des parcelles, c'est une parcelle ici où quand tout est réuni qui va bien, on fait des blés à 10 tonnes hectares. 10 tonnes hectares, alors que c'est des champs à galets, il y a des galets au milieu là. Bon. Vous voyez la pente là-bas, là bon, on a toujours un peu de mal à faire pousser quand même tellement il y a de pente. Parce qu'évidemment, quand c'est en pente comme ça, bah, tout fonctionne mal, l'essoir fonctionne mal, le pulvé fonctionne mal, la rampe elle est un peu n'importe comment. Donc c'est un peu compliqué. Donc vous voyez, cet aspect global, bon, pratiquement pas de limaces, hein, on a quelques trous, bon maintenant de toute façon le colza il est sauvé. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est qu'on a une croissance forte du colza avant l'attaque des insectes, en plus les févroles qui perturbent. Et donc on a l'exemple ici typique
d'une culture qui fonctionne en synergie finalement avec sa plante de compagne, et qui aussi qu'il y a des auxiliaires, il y a des carabes qui doivent bouffer un peu des limaces, parce que quand on a repris ici, il y avait énormément de limaces dans ces terres, même des terres blanches, la parcelle en dessous, il y avait en bas, il y a beaucoup de limaces, et on a réussi à régler le problème. Aujourd'hui on fait pratiquement plus d'anti-limaces, on met des pièges toujours, mais on n'a pratiquement plus d'attaques de limaces. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas demain, hein, mais ça peut toujours arriver. Donc voilà, pour l'instant, on ne peut que se réjouir de l'état de cette parcelle. C'est bien parti. Et d'une façon générale, dans la région, les colzas, y a de tout. Il y a du beau, il y a du pas beau, il y a du pas levé. Vous voyez la parcelle qu'on a vue tout à l'heure en arrivant, là, ça c'est pas levé, c'est sur la bourre. De toute façon, c'est foutu. Donc terre blanche, desséché, après l'orage a emmené les graines, ça n'a pas levé, le gars il a ressemé, il a ressemé du colza, je sais plus, de toute façon s'il lève, il fera rien, donc il a mis 2 semences de colza, il n'aura rien, voilà. Dans cette parcelle qui vient d'être semée en blé, on est derrière un pois d'hiver récolté fin juin, dans lequel on a implanté un sarrasin dans l'espoir, alors en direct, semi-direct évidemment, dans l'espoir de le récolter. Malheureusement il a fait sec tout l'été, le sarrasin a levé correctement, il y a eu une très belle levée, mais il a décidé de ne pas pousser parce qu'il n'avait pas d'eau. Donc aux premières pluies, on a eu un orage au 15 août, donc à la faveur de cette pluie il a fait un peu de croissance mais pas suffisante, et puis les vraies dernières pluies sont arrivées, les vraies pluies sont arrivées au 25 septembre, donc là effectivement il était en fleurs et il est quand même monté à pratiquement 1 mètre de hauteur, ce qui est remarquable dans une terre comme ça. Il a bien fleuri, il a fait énormément de graines, d'ailleurs on voit la graine qui est ici, hein. Vous voyez qu'il y a ce qu'il faut. Malheureusement, au moment où j'aurais dû récolter, il y avait encore beaucoup de graines vertes, donc j'ai pas osé. Et on a décidé de ne pas le récolter et donc de s'en servir comme couvert. Donc toute cette paille, elle va bénéficier à la faune du sol. Et les graines, elles vont évidemment germer, mais on les détruira avec des herbicides, voire par le gel. Donc le blé a été semé en direct avec le 750. La semaine dernière, donc il n'y a pas une semaine, là, ça a été fait ça, je crois, mercredi dernier. Ça a été fait en condition après 12 mm de pluie le mardi, donc le mercredi soir on a pu semer, ce qui est remarquable parce que en semi-direct, dans une terre qui est bien régénérée maintenant, on arrive à passer, et grâce au couvert de sarrasin, le semoir n'a pas collé du tout, donc on a fait un excellent semis. Au semoir à disque, hein. Et vous voyez bien l'intérêt d'avoir deux types de semoir, disque et soc, c'est que là le soc probablement n'aurait pas passé, hein. Il aurait bourré dans les tiges de sarrasin, parce que le sarrasin ça fait de la ficelle et on n'aurait pas pu semer. Je signale en passant que les pois d'hiver récoltés au mois de juin ont été semés l'année dernière dans des conditions extrêmement humides grâce au semoir à dents, parce que le semoir à disque on l'avait rangé au 1er novembre et on l'a plus ressorti depuis. Donc vous voyez, les deux semoirs se complètent bien en fonction des conditions de végétation, de sol et climatique. Alors ce qui est remarquable, c'est que quand on arrive avec un semoir à disque dans un couvert qui est haut comme ça, on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Vous voyez que la végétation elle est couchée, donc là le semoir est parti dans ce sens-là. La végétation est couchée, le disque il a ou coupé la végétation ou il l'a couchée et il a implanté la graine. Il a implanté la graine dans le sillon. Il faut que j'essaie de retrouver. Et ben, il est pas semé celui-là. Apparemment, ça serait bien un passage de traitement. Bon, coup de bol. On va regarder à côté.
Voilà. En fait, il n'est jamais où on le cherche, le grain. Avec le John Deere, il est toujours un peu sur le côté du sillon. Donc on a deux grains là, qui apparaissent, qui est déjà germé d'ailleurs, vous voyez, trois grains, quatre grains. Il y en a un là qui est germé, un là, un là, un là. Donc à une profondeur de 2-3 cm, qui est la bonne profondeur. Et le grain est bien placé au fond du sillon. Donc ça va émerger tout ça. Hein. Et le sarrasin, il a reçu en équivalent glyphosate 360 grammes, il a reçu 2 litres de 360 grammes, donc 720 grammes de glyphosate. Et là, on vient de traiter le blé en post-semi-prélevé avec du prosulfocarb, 3 litres hectares de matière commerciale, c'est du Minerix. Et quand il aura atteint le stade d'une feuille à deux feuilles, on va passer à un Fosbury, donc à je ne sais plus le nom de la matière active, un flufécanil avec des FF. Donc l'objectif, c'est le contrôle des graminées. Hein. Ici, on a beaucoup de graminées et donc il faut absolument les détruire avant l'hiver. Sinon, on n'en vient plus à bout et l'objectif que j'ai dans la conduite de mes cultures, c'est qu'il nous faut des couverts qui soient très productifs en été. Si on désherbe au printemps avec des sulfonylurées, on a des difficultés, on a de la toxicité, on a des difficultés à faire pousser les couverts. Donc on va éviter les sulfonylurées en désherbant à l'automne. Donc l'objectif, c'est d'avoir zéro graminée à l'entrée de l'hiver. Et au printemps, on maîtrisera à vue. Si on a un rond de régras, ça peut arriver sur la butte qu'il y a un rond de régras, on passera une sulfo. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est de ne pas en faire. Et de maintenir quand même le coût de désherbage à un coût inférieur à 100 euros l'hectare, parce que le désherbage antigramine devient prohibitif. Hein. Quand on sait que sur des chlortolurons, par exemple, la RPD, la taxe pollution diffuse, elle correspond à 90% du prix du produit. Hein. Ce qui est pratiquement double le prix du produit. Ce que nos amis belges et hollandais n'ont pas à payer. Hein. Ça, c'est typiquement français. Donc nous, on n'est pas aidés de ce côté-là. Donc effectivement, c'est pas encourageant d'utiliser des herbicides, mais ce qui est un fait majeur, c'est qu'il ne faut pas de graminées. Il ne faut pas de graminées dans les blés, parce que c'est le poison après. Donc même observation que tout à l'heure dans le colza, vous voyez les nombreux turicules de vers de terre. Hein. Voilà, ça foisonne, ça travaille, il y en a énormément. Et ça, c'est un signe d'activité biologique, parce que comme les nitrates dans l'eau sont un signe de qualité de l'eau, enfin du moins de faibles molécules de nitrates sont un signe de qualité de l'eau, eh bien les turicules de vers de terre sont un signe de qualité de biodiversité et d'activité biologique du sol. Parce que derrière le ver de terre, il y a effectivement un tas de bactéries et d'autres bestioles en tout genre qui consomment la matière organique, qui réorganisent l'azote et qui font plein de choses intéressantes. Ouais. Donc vous voyez les graminées, on commence à en voir là. Bon, ben ça, normalement, ça a été détruit par le Roundup, par le glyphosate. Mais ils vont relever, hein. Donc il faut maîtriser ça. Donc ce sarrasin, pour l'instant, il ne marque pas trop le coup du glyphosate, à part un peu des... On voit là les impacts du produit sur la feuille, donc ça crève tout doucement. De toute façon, ce n'est pas inquiétant parce que le sarrasin est une plante gélive, donc il va continuer de mourir tranquillement pendant l'hiver. Et au printemps, on ne verra plus rien, on ne verra plus que du blé. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir récolté le sarrasin, parce que je pense qu'il avait un potentiel intéressant. Mais c'est compliqué de récolter du sarrasin au mois d'octobre, parce que en coupe directe en particulier, parce qu'en fait, il faudrait l'endainer, le mettre, donc couper la sève en quelque sorte. Sauf que si on l'endaine, il faut être sûr qu'ils ne peuvent pas derrière pour que ça sèche et que la housse batteuse puisse l'avaler. Mais compte du mois d'octobre qu'on a là, comme celui de l'an dernier, bah, c'est compliqué de... C'est compliqué de récolter du sarrasin entre deux pluies. Quoi. C'est déjà une plante qui est très verte. Et donc,
qui n'est pas facilement battable. Et après, il faut sécher la graine. Et sécher la graine, moi je ne suis pas équipé en séchoir, ni enfin j'ai bien des ventilations, mais il faut de la ventilation chaude. Il ne faut pas chauffer trop. Et après, il faut trouver le marché, parce que le sarrasin, c'est une plante qui est de plus en plus cultivée, notamment chez les méthaniseurs. Et ça se vend comme un cercueil à deux places. Donc il faut trouver le marché. Il faut trouver le marché. Voilà tout ce qu'on peut dire aujourd'hui là-dessus. Hein. Et vous remarquez, on vient de prendre 15 mm là, et pendant qu'on parlait, il est tombé encore 1 mm hein, ce midi. Vous voyez, ça colle pas au pied. Ben, allez faire ça dans un labour, puis vous allez voir ce que ça donne. Ici, on peut venir en basket. Voilà. J'ai mis les bottes par précaution, mais bon, je connaissais le résultat. Dans cette parcelle, la Seine passe, vous voyez la centrale nucléaire, donc la centrale elle est construite sur la Seine. La Seine elle passe en amont là, elle est à deux pas d'ici. Et donc on a le bas de la parcelle est sujette aux inondations. De temps en temps, là, quand la Seine déborde, on a des ronds de flotte. Et donc plus on va vers le bas, plus c'est sableux. Ici c'est des terres calcaires, on va dire les limono-calcaires, il y a très peu d'argile. Et en bas, il y a plus de sable, donc quand il fait sec au printemps, ben, ça marque tout de suite, là, cet endroit-là, marque tout de suite un dessèchement parce que c'est du sable. Voilà, rien de plus à dire sur cette parcelle. Donc vous voyez là l'intérêt du smaradisque, hein, qui fait un beau sillon propre, qui positionne bien la graine. Et de préférence, alors ça m'est arrivé derrière du sarrasin de broyer. Alors c'est une erreur qu'il ne faut pas faire, d'abord parce que ça coûte cher. Un broyage, ça coûte 7 litres à 8 litres hectare. Ça coûte en tracteur et de chauffeur. Et en même temps, ça fait un paillis que le disque n'arrive pas à chasser. Alors que la plante entière, le disque, il va la traverser comme ça. Éventuellement, il va la couper, hein, parce que ça se coupe assez facilement, ça. Pas avec mon truc, mais avec un disque. Voilà, il va la couper ou la mettre de côté. Et vous voyez, le sillon, il est toujours dégagé, quoi. Il n'est pas dans la paille. Hein. Même là où il est passé sur une plante, eh ben, le sillon est là, le grain il n'est pas loin, hein, il est quand même dans la terre. Alors si on avait une dent, ben là on aurait fait des bourrages parce qu'on aurait emmené de la paille, on aurait arraché de la paille, hein, ça serait mis à cheval sur les dents. Et là ça fait du sale travail. Alors voilà un ensemble de semis qu'on a reconstitué. À l'origine, nous avions une trémie monosème. En fait, elle s'appelle Duro parce que transformée par Duro pour monter une rampe avant de 6 mètres. L'idée, c'était de faire des semis à la volée devant le compil. C'est un compil de 6 mètres, donc le compil d'un tracteur. Et on a semé une année découvert comme ça avec ce semoir et le compil derrière, qui a donné de bonnes levées, parce que le compil c'est un excellent outil pour faire lever. Sauf que comme il fait lever tout, y compris les adventices. Donc c'est l'inconvénient. Et donc on a arrêté de servir de la rampe. Et comme on disposait de cette trémie, je me suis dit l'an dernier, il y a longtemps qu'on n'a pas rencontré des conditions de semis difficiles à l'automne, et ça pourrait bien nous arriver. J'ai eu le nez creux parce que c'est ce qui est arrivé. Mais bon, c'était pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'était de semer des couverts en conditions de mise en place de la graine au contact de la terre. Et comme j'ai expliqué ce matin, semer des couverts au cul de la moissonneuse batteuse sur des pailles fraîches et pas toujours bien réparties, avec un smart semi-direct à 10, c'est extrêmement compliqué, c'est voire impossible. Les pailles fraîches ne se coupent pas. Hein, même sur un sol dur, ça ne se coupe pas. Donc le semoir pile la paille dans le sillon, met la graine dessus, il referme ça comme il peut, et puis s'il ne pleut pas, ça ne lève pas. Et donc on avait des mauvaises levées. Alors vu que j'investis quand même 40 à 50 euros de semences de couvert sur mes couverts d'interculture longue, puisque je rappelle, ce sont des mélanges de légumineuses, donc veste massa, veste de la veste, le nom m'échappe, velu, pardon, de la massa qui coûte assez cher, de la moutarde d'Éthiopie, cappuccino, et un peu de facelli et un peu d'autre chose, selon ce qu'on a, donc un peu de poids, un peu de févrole, on mélange un peu tout ça.
Donc j'avais vraiment envie que mes couverts lèvent, quoi, qui servent vraiment de couvert et qui puissent répondre aux trois enjeux que j'ai déjà expliqués, à savoir couverture du sol contre les adventices, captation de l'azote de l'air pour apporter au sol et structuration du sol. Donc le mélange de ces trois espèces-là apporte à peu près la réponse à ma question, à condition que ce soit bien implanté. Et donc, pour avoir discuté avec le club AgroSol, d'agriculteurs qui sont déjà équipés de semoirs de tout poil, il y a de la dent, il y a du disque, vous savez, il y a des écoles, il y a des gens qui sont pour la dent, des gens qui sont contre, des gens qui sont pour le disque, des gens qui sont contre. Maintenant, il y a le disque incliné qui arrive avec Waving, avec Sly, et le disque incliné apporte un peu de réponse, mais ce n'est pas la panacée. C'est toujours ce que j'appelle une clé à molette, ça va partout et ça va bien nulle part. Donc j'avais réfléchi semoir à dents, sauf que le semoir à dents, c'est encore un investissement. Notre semoir John Deere, il a 10 ans, il est en très bon état puisqu'on l'entretient régulièrement. Et c'est un semoir qui a une très bonne valeur de revente. Seulement, si on le vend, c'est pour acheter quoi? Si c'est pour acheter un semoir qui ne sème pas mieux, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc je me suis dit, et pour avoir discuté et échangé avec des agriculteurs, sur WhatsApp, sur Twitter, dans tous nos réseaux, y compris le Club AgroSol, je me suis dit que peut-être la bonne solution, c'était d'avoir un semoir à dents, à condition qu'il ne coûte pas cher. Et c'est la raison pour laquelle, donc, en me rapprochant d'un collègue du Pas-de-Calais, qui était déjà équipé d'un semoir jamais, il me dit, mais pourquoi tu ne vas pas voir jamais? Le patron, il est sympa, il va te faire un truc à la mesure. Bon, donc je suis allé le voir. Et puis, c'était au mois de mai, et évidemment, je voulais le semoir pour le mois de juin. Et il m'a dit, mais mon pauvre monsieur, mon carnet de commande est plein, et je ne pourrais pas vous promettre. Et puis, j'ai dit, ça va, on commande quand même. Donc j'ai demandé 4 poutres, pas trop éloignées parce que le semoir est très très lourd. Donc on, au lieu de les faire à 80, on les a mis à 70. C'est du carré de 100, c'est du solide. Donc de cochon 30 mm de carré, avec le soc particularité jamais. Soc étroit, pointe fine avec recharge carbure de tungstène. Qui ouvre à peine le sillon, mais comme le soc est assez long, le sillon ne referme pas tout de suite, donc on a le temps de placer la graine avant que ça se referme. Hein. Et donc j'ai eu la chance qu'il y ait un client qui se soit dédié, et donc il m'a positionné à la place du client pour fabriquer mon semoir. Il m'avait promis 1er juillet, j'étais livré le 2, donc c'est parfait. Et donc on a associé ce semoir avec la trémie, en faisant donc un renvoi de semences. Alors la trémie, c'est une trémie monosème, donc avec les réglages monosème par pignon et chaîne. C'est pas très confortable, c'est pas comme une boîte variation continue. Il y a des trous un peu dans les réglages, mais bon, on arrive à semer assez précisément quand même des céréales. J'ai une distribution par bobine, on change les bobines, donc on est capable de semer, on est capable de compartimenter de la trémie pour faire un côté grosse graine, un côté petite graine. On met une petite bobine pour les petites graines et on règle le débit sur les petites graines, par exemple Facelli, moutarde d'Éthiopie et Vesse. Et puis du côté des grosses graines, on met du poids, alors du poids de consommation, de la févrole, n'importe quoi. Et comme les deux bobines tournent à la même vitesse, évidemment, bah, ça distribue en poids 5 fois plus que les petites graines. Donc on met 20 kg de petites graines, entre 15 et 20 kg de petites graines, et puis entre 80 et 100 kg de grosses graines, quand on a les poids pour mettre dedans. Et on renvoie tout ça derrière, donc avec une distribution donc on a 18 cm8 d'écartement, c'est-à-dire qu'on a 32 descentes pour 6 mètres, 32 dents pour 6 mètres, avec une disposition des dents, si on peut se déplacer un peu, une disposition des dents qui n'est pas... qui est faite un peu au hasard, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'entraînement de bouchon de paille d'une dent à l'autre. Parce qu'en général, les outils à dents, ça fait ça. Ça entraîne la paille progressivement et ça finit par faire un bouchon. L'observation, c'est que la descente ici, qui peut paraître large par rapport à l'étroitesse du soc, bah, elle positionne pas si mal les graines que ça. Parce que j'avais fait à jamais moi une descente spéciale pour petites graines et pour faire les couverts qui accompagnent la graine beaucoup plus bas et que j'évite de démonter en conditions humides parce que la terre rentre dedans et ça bourre, alors que là ça ne bourre pas. Et donc maintenant on laisse cette dent là parce qu'on l'a en fait on l'a bricolé pour mettre une deuxième descente pour faire éventuellement de l'engrais ou des graines séparées.
Parce que l'idée c'était de mettre ce moir sur une trémie, mais bon, la trémie elle n'est pas encore fonctionnelle, sur une trémie semi-portée. Donc derrière ce soir, il n'y a aucun outil de recouvrement, il n'y a pas de herse, il n'y a pas de rouleau. On a voulu faire du truc très simple. Parce que finalement le semoir, comme il ouvre un sillon très étroit, ça referme tout seul. Et le meilleur compromis qu'on ait trouvé, c'est de passer le cambridge derrière. Et c'est ça qui fait le meilleur travail. Alors quand il fait sec, on a le temps de le passer, c'est bon. Cette année, on n'a pas le temps de le passer, donc on ne va pas refermer les lignes de semis, ça laisse un peu des billons, mais bon, c'est pas grave, il y a de la terre sur la graine, elle va pas, ça va germer. Hein. Ce que j'observe depuis 2 ans qu'on utilise cet outil, c'est qu'on a des levées qui sont, malgré la disposition des graines à différentes profondeurs, au contraire du semoir à disque John Deere qui positionne bien au fond, on a des graines à pas toutes les profondeurs. L'objectif, c'était évidemment de les mettre au fond du sillon. On n'arrive pas à tout mettre au fond du sillon. Ben, c'est que tout m'élève à peu près en même temps. Et que malgré tout, on a de très belles levées, très satisfaisantes, au moins égales à celles du semoir à disque, avec un outil extrêmement simple et peu coûteux. Parce que cet outil, ça valait à l'époque 16 000 euros. Hein. Bon, depuis, on a rajouté une deuxième distribution dont on ne s'est pas encore servi. On a ajouté une distribution d'engrais liquide 1448 dont on ne s'est pas encore servi non plus. L'idée maintenant, ça va être de monter une cuve à engrais, on ne sait pas où la mettre, puisqu'il n'y a pas de place ni devant ni derrière, sans tracteur. Et de façon à fertiliser, parce que c'est toujours l'idée en semi-direct, il faut fertiliser dans la ligne de semis. Faut mettre un engrais starter, et surtout au printemps. Voilà. Donc voilà l'outil. Bon là il est replié, donc on imagine déplier ce que ça donne. C'est extrêmement lourd, si bien qu'il y a une pénétration en conditions sèches, notamment pour les couverts d'été, qui est très très satisfaisante. Et du fait de l'étroitesse de la pointe, finalement, avec le poids de l'outil, on arrive à faire un sillon à la profondeur qu'on a à peu près déterminée. Même si le fait qu'on soit monté sur un châssis rigide, évidemment ça nécessite d'avoir des terrains plats comme le ciment, parce que sinon il y a des dents à toutes les profondeurs. Hein. Mais bon, je dirais que le rapport qualité-prix est excellent. Donc cet outil pour nous aujourd'hui donne tout à fait satisfaction, avec un débit de chantier important et un investissement qui est tout à fait modique par rapport aux semoirs de semi-direct d'aujourd'hui qui valent pratiquement 20 000 euros au mètre. Hein. Donc on en est loin. Et puis il y a très peu de pièces en mouvement, donc il n'y a pas d'usure, ou très peu d'usure, il n'y a pas de roulement, il n'y a pas de choses qui peuvent faillir. Alors, une dent qui peut casser, ça peut arriver. Ça ne nous est jamais arrivé, mais bon, ça peut arriver. Il y a un seul inconvénient, la limite de cet outil, c'est le débourrage des roues arrière, parce que comme les roues arrière passent sur des lignes de semis qui ont été travaillées, elles collent, et le décrotteur, s'il y a du résidu, on voit là, et ben ça bourre et ça serre la roue, et la roue s'arrête de tourner. Donc il faut démonter le décrotteur, nettoyer, repartir. Et on n'a pas trouvé de solution. On va en trouver, mais pour l'instant, on n'a pas de solution. Il a aussi la richesse d'un réseau WhatsApp, Twitter et autres, c'est de communiquer avec des agriculteurs qui ont le même problème et qui cherchent aussi des solutions. Peut-être qu'on en trouvera en commun. Voilà, donc évidemment l'ensemble là fonctionne sans la rampe, hein, puisque le grain est ramené dans la tuyère du semoir arrière. Et donc la rampe, on finira peut-être par la démonter, parce que je pense qu'on ne s'en servira pas. Il n'y a rien pour débourrer la dent, c'est pour ça que je vous dis dans le sarrasin, ça n'aurait pas été, parce que la paille de sarrasin se serait mise autour. Et effectivement l'Amazon, il a une roue ici qui marche à côté, donc qui va permettre d'appuyer sur la végétation et débourrer. L'Amazon, il faut dire aussi qu'il est en écartement 16-6, hein, alors que là on est à 18-8. Donc 18-8 avec les 4 poutres espacées de 70 cm, on a une très bonne fluidité des résidus végétaux. Et nous, on n'a jamais bourré. Hein. Sauf vraiment tomber sur un paquet de paille, parce que la moisseuse sera arrêtée. Mais si on a une paille correctement répartie, on n'a jamais eu de problème de bourrage, y compris en conditions humides. Par contre, si on mettait des outils arrière pour recouvrir, peut-être qu'on générerait des bourrages. Mais à aujourd'hui, on n'a pas trouvé l'utilité finalement d'avoir ces roues. Et parce qu'on cherche toujours des solutions, on se dit oui, mais tiens, si on voulait fermer la ligne de semis correctement, il faudrait mettre une roue ici qui passe derrière. Oui, mais une roue ici, elle va générer des bourrages. Hein. Elle va encombrer le passage de la paille, elle va générer des bourrages.
Et puis de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose parce que la dent est quasi rigide, le châssis est quasi rigide, donc la roue, elle va pas forcément contrôler grand-chose. Donc, et à chaque fois qu'on réfléchit à des solutions, on revient en se disant, bah, finalement, hein, le mieux, c'est le plus simple, donc on va rester comme ça. Et vu les résultats de levée, bon, faut pas trop se casser la tête, quoi. C'est ça comme ça. Oui, c'est un peu le problème qu'on a cette année dans les couverts, parce que comme on a la dent a éclaté la terre, ça a éclaté des mottes qui existaient déjà. On n'a pas eu assez de terre fine pour recouvrir, et on a eu de la graine qui a en fait qui s'est échauffée parce que à la faveur d'une petite pluie, parce qu'on a eu quelques pluies éparses, ça a pu germer, puis derrière il a fait 35 degrés, donc ça a desséché. Ce qu'on n'avait pas eu l'année précédente. Et malgré le passage du cambrique, c'est pour ça que je disais, il faudrait peut-être que un bon compromis. Ce serait aussi de la moisse batte de passer la herse tecmagri, la herse à paille, parce que c'est 12 mètres donc ça va très vite, et puis de semer après. Sauf que la herse tecmagri, elle va faire lever des adventices en grattant le sol. Il faut un tracteur et le chauffeur qui, alors au lieu de semer, il va passer de la tecmagri puis il va semer après, il a le temps hein, bien sûr, parce qu'on ne sème pas tout en couvert hein, évidemment. On récolte 600 hectares à peu près de céréales. Enfin, donc, et puis on va semer 200 hectares d'interculture longue. Donc on a le temps de tout semer, évidemment. Sauf que bah, il faut encore un tracteur de plus. Et donc cette année, on ne l'a pas fait. Voilà, on ne l'a pas fait. Peut-être on a eu tort, on fera autrement l'année prochaine. On cherche toujours de toute façon des solutions qui ne sont que des compromis. Hein. Et donc voilà, pour l'instant, je dirais que on a trouvé dans cet outil un complément, on va dire parfait, mais un complément intéressant du semoir à disque. Et ce qui nous permet sur l'ensemble des deux appareils, donc le semoir à disque, il est largement amorti, il ne coûte pas cher, le jeune dire coûte très peu en entretien. Ça coûte quasi rien en entretien. Et donc pour un investissement modique, finalement, on a une performance de semis qui est excellente, puisque je vous dis, on vient en une semaine, là, du 9 octobre au 19 octobre, on a semé 350 hectares de céréales avec les deux soirs. Cette année, on a semé plutôt à 10 parce que bon, le créneau de temps de semis était court. On a semé trop vite, hein, j'avoue, parce que plus on sème vite et plus on bouge la terre. Mais bon, à un moment donné, les couverts, on les sème à 6-7. Parce que là, on a le temps. Donc, on les sème à une vitesse relativement lente. La bonne vitesse avec ça, c'est maxi 8 à l'heure. Il ne faudrait pas aller au-delà. Et identique pour le John Deere, parce qu'on projette de la terre avec le disque. Donc, si on veut faire un semis chirurgical, il faut vraiment avancer modérément. Mais bon, voilà, le temps, le créneau, on savait qu'on avait une fenêtre d'une semaine. Donc entre mardi dernier, il est tombé 12 mm d'une pluie extrêmement fine qui a tout mouillé. Après, on a eu la chance d'avoir un peu de vent, ça a bien ressuyé. Donc le mercredi soir, on a pu recommencer à semer grâce au couvert. On a semé dans le sarrasin, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc là, on a pu semer dans le sarrasin. Encore, personne ne semait parce que c'était trop humide. Hein. Lui, il a semé dans des terres, on a des terres sur Mézières, la Grande Paroisse, qui sont des terres blanches très très faciles, donc qui ressuient vite. On a pu semer 40 hectares là-bas. Le temps que ça ressuie et que tout le monde se remette au semis. Et puis après, ben, on n'a pas arrêté, quoi. Samedi et dimanche, on n'a pas arrêté, on a fait que du semis. Et donc lundi soir, on avait semé nos 350 hectares. Et il nous reste 17 hectares à semer, il aurait fallu un jour de plus. Et puis il nous reste nos blés de dernière arrachage de betteraves. Et puis des orges de printemps qu'on va semer à l'automne. Et puis des pois d'hiver. Voilà. Donc il y a encore un petit peu de travail, mais ça on va y arriver parce que on n'est pas à la minute. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. On est ici sur une parcelle qui a été récoltée en blé, de blé de semence, au mois de juillet, 15 juillet, et sur laquelle a été implanté ce couvert, et qui a la particularité, et je ne vous dirai pas pourquoi, d'avoir levé tout de suite, contrairement aux autres couverts. Il était semé dans les mêmes conditions, avec le même semoir, avec les mêmes espèces, et on voit évidemment que la date de levée conditionne la qualité du couvert, puisqu'ici on va s'orienter vers un couvert multi-espèces
qui est extraordinairement abondant. Dans les espèces, alors on est semé évidemment sur paille restituée sortie de la moissonneuse batteuse, donc paille broyée derrière la moissonneuse batteuse. Et le mélange, vous y voyez de la vesse. Alors ça, c'est de la vesse massa ou l'équivalent. Hein. C'est une vesse velue. Donc vous voyez, elle est très couvrante, hein. Contrairement aux autres couverts qu'on a vus. Elle est très couvrante. Donc là, on voit tout de suite son effet d'étouffement sur les adventices. Là-dessous, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut lever. Hein. Donc ça va être hyper propre. On a la moutarde d'Éthiopie, ici. Un peu de facélie, et la facélie, bien qu'on en mette très très peu, vous voyez, elle est en fleur, elle commence à fleurir. Tout lève, alors ça c'est quand quelque chose, moi on m'a toujours dit que la facélie était compliquée à faire lever, et depuis qu'on la sème au smaradan, tout lève, et il y a même des fois que ça. Là il y a de la bardane, mais ça c'est une mauvaise herbe, donc ça faut que là, il n'y a qu'un moyen de supprimer ça, c'est de la sarclée. Et puis, je crois qu'il n'y a rien d'autre, à part la facélie, la vesse et la moutarde d'Éthiopie. Donc, je rappelle le rôle de chacune de ces espèces. La vesse velue, c'est apporter de l'azote et constituer un volume important pour couvrir et étouffer les adventices. La facélie, ça sert à lier le mélange, mais aussi, c'est plutôt joli. Quand ça fleurit et les abeilles vont pouvoir se nourrir sur cette fleur-là. Je ne sais pas s'il y a des ruchers dans le coin, mais s'il y en a, ben, ça sera profitable. Et puis la moutarde, alors ça c'est une moutarde blanche, tardive, il y en a un petit peu dans le mélange, hein, bon, on peut en trouver. Et puis il y a un peu de févrole qui restait probablement dans la trémie. Donc vous voyez tout ça, ça se marie bien. Regardez ici le volume hein, de végétation qu'il y a. Donc ça, on va le mulcher avec le carrier Valerstadt. Et je vais vous montrer un pied de moutarde d'Éthiopie. Bon, celui-là, c'est pas de chance, il a fasciculé un peu, mais normalement, ça fait un pivot qui descend très loin et qui structure le sol. Mais vous voyez, ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de biomasse, ça pèse lourd. Quand on pèse, alors là, elle n'est pas très abondante parce qu'il y a, des graines qui n'ont pas germé, certainement. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement lourd et qui fait donc beaucoup de biomasse. Et en même temps, ben, ça perce le sol. Hein, donc ça permet effectivement de restructurer en profondeur. Alors qu'une vesse velue comme une facélie, c'est plutôt des racines fasciculées. Hein, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de racines au bout de ça. Ouais, la facélie, c'est ça. Ouais, il y a très peu de racines, sauf des racines très superficielles. Ça t'en bouge pas trop, ouais, c'est bon pour moi. Mais c'est une belle plante. Hein. C'est une belle plante. Et puis la moutarde blanche qui, bon, sert pas à grand chose, mais ça fait de la biomasse aussi. Hein, mais c'est une plante qui n'est pas intéressante en couvert. Donc voilà, on a bien là l'effet couverture, l'effet azote, parce que cette veste, elle va effectivement, elle a dû capter déjà beaucoup l'azote. L'année prochaine, ce sera des betteraves ici. Donc on va déjà avoir un profil de sol tout à fait adapté pour l'implantation de la betterave. On va détruire ce couvert avec vraisemblablement un coup de carrier avec le disque cross-cutter. Et puis après, bah, probablement qu'on n'y fera rien d'autre avant l'hiver et qu'au printemps, on passera les outils nécessaires pour permettre un lit de semences. Donc à base de herse rotative cross-kill pour retasser le sol. On voit ici un rond de campagnole, effectivement. Mais vous voyez qu'il y a quand même des espèces qui arrivent à récupérer. Hein, c'est pour ça qu'on fait des mélanges multi-espèces aussi, parce qu'il y en a, et en particulier la facélie, elle arrive à résister aux rongeurs et elle occupe un peu le terrain. Donc voilà un genre de couvert dont on rêve, et il y en a très peu de comme ça cette année, malheureusement. Et là, à l'époque où on est, au 20 octobre, on va garder ce couvert encore pratiquement plus d'un mois. Donc là, il va faire une énorme biomasse. Ça, c'est une vraie culture, quoi. Voilà. Et si on ensilait ça en méthanisation, moi je pense qu'on ferait
7-8 tonnes de matière sèche, quoi. Et donc ça, c'est, ça alimente évidemment le méthaniseur, mais là on va alimenter le sol. Alors j'ai oublié de dire ce matin que le méthaniseur, si on utilise beaucoup de biomasse pour faire du gaz, on peut penser qu'on va appauvrir le stock du sol, mais dans les digestats, il ne faut pas oublier qu'il reste beaucoup de carbone, parce que les bactéries ne digèrent qu'une partie du carbone, et elles digèrent la partie la plus facile à digérer. Donc le carbone qui reste dans le digestat, c'est un carbone relativement stable, et qui se transforme plus facilement en carbone organique, en humus. Et donc, d'après Arvalis, mais c'est pas moi qui le dis, un système conduit avec digesta et enlèvement de deux cultures sur trois, on va dire ça comme ça, c'est un système qui est en termes de stockage de carbone aussi performant que si on faisait tous les ans un couvert de 2 tonnes hectares. Et ben, malheureusement, on ne fait pas 2 tonnes hectares tous les ans avec les couverts, hein, et cette année, ça va être encore le contre-exemple. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on méthanise et qu'on va intensifier la production et l'enlèvement de biomasse qu'on va appauvrir les sols. Voilà. Et c'est pas le but, hein, évidemment. Parce que là, ouais, des sols comme ça, alors ce qui est remarquable depuis 20-25 ans qu'on est en agriconservation, cette parcelle-là, comme quelques autres, fonctionne très très bien. Tout ce qu'on y met pousse et tout fait des super rendements. La parcelle d'au-dessus, alors là il y a une parcelle qui est labourée, et au-dessus, c'est aussi à moi. Alors là, c'est pas le même couvert. Il a levé plus difficilement et ben, elle ne fonctionne pas de la même façon. Alors que les deux parcelles sont conduites pareil. On fait les mêmes cultures, les mêmes couverts. La terre est un peu plus profonde ici, hein, je l'avoue. Mais quand même. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a. Ça veut dire que une fois qu'on a trouvé le bon rythme de fonctionnement du sol, après ça marche tout seul. Et vous voyez, pourquoi ça a levé ici et pas ailleurs ? Ben, il y avait sûrement un peu plus d'humidité en surface. Et pourquoi il y avait plus d'humidité en surface? Parce qu'il y avait plus de matière organique. Et que la matière organique garde l'eau. Tout simplement. C'est tout bête, hein, il ne faut pas grand-chose. Et donc, voilà. Et donc, quand vous avez un couvert qui lève, un couvert réussi, ben, la culture derrière, elle est réussie, etc. Et puis après, vous êtes parti, c'est le cercle vertueux. Et quand, par contre, dans des parcelles de terre blanche, vous n'arrivez pas à planter un couvert, vous n'arrivez pas à faire pousser un couvert, eh bien, ça patine tout le temps. Hein. Donc, la culture ne marche pas derrière, et on a des salissements, et puis on a du parasitisme, etc. Alors, pour venir sur la partie matière organique, ça, c'est des parcelles de terre grise, c'est les meilleures terres de ma ferme. C'est de la terre grise calcaire, sur support calcaire, et le potentiel de blé, là-dedans, c'est 10-11 tonnes hectares. Betterave, c'est plus de 100 tonnes, et donc c'est par ça qu'il fonctionne bien. Là, on est à 4,5% de matière organique. Voilà. Là, on a pris 1,5 en 20 ans, pratiquement. Donc des terres qui sont super bien structurées, qui ne sont plus battantes, qui sont colorées. J'avais fait des photos une année, je ne les ai pas là, mais pour montrer la différence, c'est la parcelle du haut, montrer la différence entre cette parcelle qui est en betterave, non labourée depuis 20 ans, à côté, et la parcelle de betterave à côté qui est labourée régulièrement. Couleur, la différence de couleur. C'est une était blanche comme ma voiture ou comme la tienne, et l'autre, elle était, pain bi, on va dire ça comme ça. Donc la différence de couleur, qui est liée évidemment à la matière organique aussi, hein, en surface, parce que la caractéristique du semi-direct sous couvert végétal, c'est que on a plus de matière organique en surface et moins en profondeur par rapport à une terre qui est travaillée. Mais ce qui nous intéresse, c'est la matière organique de surface. Pourquoi? Parce que la matière organique de surface, c'est elle qui permet la souplesse du sol. On marche là-dedans, le sol est souple. Hein. C'est elle qui conserve l'eau en surface pour faire germer quand il fait sec. C'est elle qui alimente les vers de terre et toute l'activité biologique. Et au fond, on a plus intérêt à avoir la matière organique en surface que de l'avoir en profondeur. Voilà. Parce qu'après, c'est la faune, c'est les vers de terre qui vont redistribuer cette matière organique, donc de surface en profondeur, c'est assez lent. Et comme il y a beaucoup de matière organique en surface, ils vont chercher et donc ils creusent des galeries et ils font, effectivement, ils créent la perméabilité du sol. C'est une des raisons pour lesquelles on n'a plus d'hydromorphie dans les sols de limon profond hydromorphe, parce que les vers de terre ont fait des galeries et que ça, c'est le meilleur drainage qui puisse exister. Donc l'activité biologique est extrêmement importante pour la vie d'un sol. Et la vie d'un sol est extrêmement importante
pour sa capacité structurelle, parce que sa texture elle est ce qu'elle est, hein, il y a 1% d'argile, on ne fera pas 30 demain, et c'est pas souhaitable. Ça c'est des terres à 20% d'argile, 20% de limon grosso modo, mais ça c'est pH 8,2, 8,3, très calcaire donc, hein, caractéristique des terres blanches. Et où la difficulté de ces terres-là, bah, c'est la levée, la croûte de battance, et c'est le réchauffement. Bon, bah, aujourd'hui, avec cette technique-là, c'est une parcelle qui ne pose plus aucun problème, hein, et ça fonctionne tout seul. Je dirais presque qu'on met la dose de semence au bout du champ et ça pousse tout seul, quoi. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, on ne fait plus d'erreurs dans ce genre de parcelle. Hein. Et donc c'est des parcelles qui supportent le tassement, qui sont super bien structurées, qui ne supportent pas le tassement, qui supportent les charges, elles ne se tassent pas, elles supportent les charges. Et notamment quand on fait des betteraves, bah, les matériels, vous avez croisé une machine sur la route, c'est des machines avec des intégrales avec trémie, parce que la trémie est pleine, la bécane elle pèse 50 tonnes. 50 tonnes donc c'est du pratiquement 13-14 tonnes par roue, voilà. C'est énorme. Donc si vous n'avez pas un sol portant en dessous, on fait des dégâts impressionnants. Et comme cette machine a l'avantage de niveler beaucoup le terrain, elle fait plus de sillons comme les anciennes machines, on peut pratiquement semer direct derrière du blé sans intervenir ou juste avec un coup de Herstek Magri pour niveler. Et on peut semer derrière sans aucun problème. Voilà tout ce qu'on peut dire là-dessus. Hein, donc voilà, là. Une des difficultés de notre système aujourd'hui, c'est de réussir les couverts et de les faire lever, quoi. Et une fois qu'ils sont levés, c'est sauvé. Si on arrive à les faire lever, c'est sauvé, après ça fonctionne. Même s'il fait une période de sec, le couvert va attendre la pluie. Quand la pluie arrive, même si elle arrive tard, fin septembre, ça pousse. Vous voyez ici, depuis, ça fait 3 semaines qu'il pleut, bah voilà, le couvert, il a multiplié sa biomasse par 10, quoi, tout simplement. Hein. C'est même impressionnant parce que moi je viens pas souvent là et je vois ce qu'il y a. Je me dis bon ben là comme on dit, hein, on pose une pièce d'un euro, elle tombe pas par terre. Hein. Donc ça veut dire que dessous on voit pas la lumière, le sol est protégé finalement des agressions du temps. Hein. La matière, l'activité biologique aussi fonctionne tout à fait normalement et voilà, ça tout ça fonctionne bien. Voilà tout ce que je peux vous dire.